Bonjour à tous, bonjour cher public, chère communauté francophone, bonjour, désolé du petit retard, bienvenue au rendez-vous habituel de Springfellow TV, le rendez-vous de tous les soirs, le rendez-vous où on retrouve notre ami policier, le grand Dédé, le seul et l'unique, le flic le plus fou. Merci aux followers, aux nouveaux followers qui nous ont followés cet après-midi, merci à vous, bienvenue dans cette nouvelle communauté. N'oubliez pas que vous avez Discord à votre disposition pour connaître les notifications et la mise en ligne des vidéos sur YouTube. Et vous avez également YouTube qui est là pour revoir les lives non transformés par un programme en direct comme elles sont ce soir. Merci à tous, merci aux nouveaux donateurs aussi. Nous sommes aujourd'hui à 43 euros. Merci beaucoup, on se rapproche de l'objectif du Chroma Key pour rendre encore de mieux les streamings. Mais écoutez, comme d'habitude, merci de votre présence. Faites vibrer le chat, discutez, enfin voilà, mélangez-vous les idées, dialoguez, échangez les idées, c'est ce que je veux, c'est ce qu'on veut, et c'est pour ça que cette communauté existe. Merci à vous, bon live, et à tout à l'heure. Tac, ça c'est bon, allez, c'est parti. Toujours une voiture à côté de moi. Yo, ça va encore. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh! Ça dépend. Ah! Zoko? D'accord. Oh mon Dieu! Ah ouais! Et donc du coup? Bah ouais, parce que j'ai sa maison qui se trouve à Sirta, qui est remplie apparemment de faux papiers. Bah oui, il fait du trafic de faux papiers. Ouais, je sais, ouais. Ah, aussi, il est faux billets. Ah. Et bah voilà. Et ben voilà. C'est très drôle. Bah pour le taper. Mais en fait. Salut. J'ai envie de venir à la DC. Du Vietnam. Tu fais de. Tu vas toi. T'es fou toi. Tu vas en la guerre ou quoi? Oui. Ouais, il part avec les Vietnam. Il part en guerre. Donc du coup, ben Yuri Zoko, on va s'en occuper alors. Je lui dis, on va chez lui directement. Oui, directement à la DC. Ah non, je vais lui dire, non, pas chez lui, pas à Sirta, à la Diamond. Non, pas à la Diamond, ah, oui, moi je vais à la DC. Salut tout le monde, salut Magicien, salut Adrien, salut Max, salut lui Del Perro. Il était mal, hein. C'est bonjour à tous, merci d'être présents, merci à vous tous. Quand on a sorti avec la skate, la pousse à outils, oh putain. Ah bah oui, non mais il est mort. Bon ok. En fait, je l'ai placé en garde à vue parce qu'il y avait outrage à l'agent et il était putain, j'ai oublié le terme. Il faisait entrave à la justice. Voilà. En fait, d'accord. On a dit de descendre avec nous. Là, j'ai dû. Alors, c'était propre. En plus, j'ai fait le bâtard parce que je l'ai menotté devant tous ses employés et tout ça. Et je l'ai traîné avec les menottes dans le dos devant tous ses salariés. Et lui, mais vous rendez compte, je suis un PDG, vous menottez. Je fais, mais je m'en fous. Alors je m'en fous, vous êtes un PDG. Vous êtes en train de me dire que je sais pas faire mon travail. Vous êtes en train de me dire que la police est incompétente et vous croyez que je vais vous. Mais vous croyez quoi? Et du coup, le mec, je l'ai foutu dans la bagnole et il est arrivé jusque là. Et quand j'ai fait ma procédure, quand on rentre dans un bâtiment de police ou militaire. Salut forestier, bienvenue. Et quand on l'a fouillé avec casquette, on est tombé sur ça. Ah bah nickel, bon, on va taper alors. Casquette a pris la photo. Casquette a pris la photo et tout, mais là, il
reviens qu'à 21h30, il m'a dit. D'accord. Bon, c'est pas grave. Bon. La... Ouais. Bon, bon, donc on va taper alors. Allez, c'est parti, je vais me changer. Fabien ministre. Pardon, problème, excusez-moi. Faudra. Lopez de DD. Du véhicule. Ouais, pardon. Faut prévenir le ministre du coup. Bah, le ministre n'est pas sur le territoire actuellement, donc j'attends. Les feux, ah, merveilleux, merveilleux. Du coup, t'as encore besoin de Cobra, Papa Lead? Ah? Non, négatif. Ouais. Et ça, elle coûte super cher celle-là. L'achète jamais, un conseil. Scott, tu me reçois? Oui, Tu fais ta timide. Donc tu fais ta timide. T'as une portée sur le corps? Ma fille. Tu vas me aider? Non, mais je vois que tu fais ta timide. Pourquoi? Mais. Ouais, tu fais ta timide comme ça. Ah merde, j'ai passé l'argent. Pourquoi tu fais ta timide comme ça? On sort de minibus magique la noire et. T'as le droit de faire ta timide? Non, parce que je sais que t'es pas timide. Yonkis, tu peux en sortir un? Mais... JMK ou Mercedes? Le Mercedes là. Multiplace familiale. Salut Teiko, merci d'être là. Salut Tanou, comment ça va? Désolé, il fait chaud chez moi, hein. J'ai crève de chaud. Oh, pas mal ça. Comment vous allez? Comment vous allez tous d'ailleurs? Bonjour, chef. Ouais, j'arrive en 2 secondes. Bah, j'ai juste dit bonjour. De la violence. Ouais, donc de Papa Leader, il va falloir faire vite parce qu'ils vont peut-être supprimer les trucs. Allez, on bouge. Et ils savent qu'on vient alors. J'ai prévenu le ministre, je lui ai envoyé un message, il va nous rejoindre directement à la DC. Sera, vous êtes prêts? Affi, on sort les VL, on en bas. Maniez-vous le cul. Alors, hop, attends, je vous mets en pause 2 secondes. Ouais, c'est vrai. Tu sais, tu me mets en pause, tu fais pour qui là? Hop, hop. Allo? Tous les cobras, passage canal. Allo? Ouais, on t'entend, ouais. Allo? Sierra canal 6. Il arrive. Ça enferme. Qui c'est qui arrive? Le canal 6 de. Allez, je vous mets en Je suis là, tu m'entends? Là tu m'entends. Partir avec CPA moi? Ouais. Et vous arrivez sur la zone orange. Ça marche. Allez, Sierra, on se dépêche s'il vous plaît. Ah bah voilà. Ah bah super. Merci. Dans ma clé quoi. J'allais dire connard. Ah bah c'est. Je l'apprécie. Bon ça avec. Ah merde, j'ai pas de téléphone. Oh là là. Attends, c'est qui ça? Ton truc de deuxième, enfin ton nouveau système de com? Ouais, c'est ça, mon nouveau système de com. En soi, y'a rien à régler. Salut, tu viens plus, soirée? Ah non, j'aurais su un truc, est-ce qu'il y a pas un béret d'instructeur? Ça me ferait kiffer. Je vais être indisponible pour le moment. Alors, j'ai la radio. Ouais, toi. Merci pour vos félicitations. Le DD Junior arrive au mois d'octobre. Oui, effectivement. Donc voilà. Merci Teiko, ça fait super plaisir. Merci de vos messages. Merci beaucoup. Ah, ça y est. Ah, ça me fait chier ce truc. J'avance déjà parce que. Mais c'est pas pour autant que je vais mettre en suspens les streams, hein, je vous rassure. Au contraire. Ah mon petit Zizi. Eh très bien, toujours droit et dur.
C'est l'essentiel. L'essentiel. Et dans l'actuel. Ah bah ça. Bon, ça va se bouger un peu le cul là ou... Donc de papa leader à toutes les unités, lors de votre patrouille, si vous trouvez un monsieur Karim, je répète Karim Halouf, je crois que c'est ça, je crois, un rue du genre, vous me contactez urgemment, s'il vous plaît. Alors, je pense qu'il sera chasseur de lapinou. De toute façon, il n'aura pas trop de choix. Donc, du coup, il faut que j'investisse dans un nouvel ordinateur pour jouer dans la même team. Bah, je sais pas s'il me remplacera, mais si je serai encore sur Arma d'ici là, je pense pas qu'Arma existera encore à cette époque là. Un peu dedans. Pour toi, s'oublie pas qu'il faut une centrale. Bonjour! S'il vous plaît! Ah, entreprise fermée. Entreprise fermée? Non, pas possible. Bah l'entreprise elle peut pas être fermée. Oubla. Oh la police. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là, monsieur là? Messieurs, bonjour. Pourquoi il se passe? Qu'est-ce qui se passe là, monsieur? Non, y a rien qui rentre, y a rien qui sort. Moi vouloir travailler ici, tout simplement, moi on va pas vouloir problème. Hein. Bien. Rien qui rentre et tout ce qui ressort en fouille. Voilà, donc je ne veux plus rien voir sortir de l'entreprise ou plus rien rentrer. L'entreprise est passée sous en... Attention, Syrah, DDD. On vient voir votre patron. Hop, c'est fermé. Zizi ouais. Ou Nick Nick ou je, Bibi vous mettez le point sur carte, s'il vous plaît, de la maison du patron. Bibi, je te laisse faire parce que moi, je la connais pas. C'est Nick Nick qui l'a. Monsieur le ministre. Nick Nick. Ouais. Je vous informe, il est pas là, il vient sur C4. Pas là. Ah, il est pas encore là. D'accord. Il est pas encore là. Non, il est en route alors. J'ai mis l'entreprise en fermeture administrative temporairement. Moi partir travailler alors. Pas possible, travail. Pas possible, travail. Ah, bon. Excusez-moi. Fais gaffe parce que là, ça se recule et ça dégage. Ah ouais. Ouais. Nick Nick. Monsieur, comme vous l'avez demandé, le général est ici. Nick Nick, de DD. Bizarrement. Voilà. Bah pas bizarre. Pas Nick Nick. Ah putain. Nick Nick. Mets-moi le point carte de la maison de Zoko. Ah c'est Bibi, s'en occupe. Merci. Et passez sur le canal 1, s'il vous plaît. Oh. En fond un bordel. Bon, moi vouloir travailler parce que moi farmer, hein. Moi besoin d'acheter Lynx pour tuer police. Non, c'est pas drôle. Personne rigole aujourd'hui.
Il est chié, alors moi, l'ambiance. Je réponds à tes messages. Il y a autant d'hélicos, les Marshalls. Ouais, c'est Star Wars en fait. C'est le débarquement ici. C'est bientôt, c'est jeudi. 75e anniversaire. Du débarquement. Ah oui. Oui, bah oui déjà. Bah oui, 75e les gars. J'ai envoyé mes gars. J'ai envoyé. Ouais, compris. Ouais, je crois. Tu fais une place, non? Peut-être. Non, j'ai plus de place, non. J'ai déjà perdu deux gars, c'est bon. Bonjour monsieur. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Ah là là, bon, pas possible, travail alors. Hein. Oh là, beaucoup. Ah, mais c'est police, monsieur, ici? C'est police? Eh oui, apparemment, oui. Ah, d'accord. Bon, bah, vous fermez alors, moi, pas pouvoir travailler alors. Ça, monsieur. Bon, bah, bon courage. Hein. Merci, monsieur. Merci, Flo, merci de ton follow. Bienvenue dans la chaîne. Tu peux faire prendre l'exclamation Discord ou YouTube pour recevoir en direct les notifications de mes lives et de mes uploads vidéos sur Discord et YouTube pour revoir les lives. Merci à toi et bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Nous atteignons bientôt les 450 followers, monsieur. Parce qu'il y a les filles aussi, je... Merci, bientôt les 450. Ah, pardon. Alors, s'il vous plaît, moi, beaucoup de problèmes. Excusez-moi, monsieur. Moi, problème, policier, avoir mis ma voiture fourrière. Comment moi partir? Attendre, alors. Il peut avoir un garage là-bas, mais un peu loin. D'accord. Parce que erreur de police m'a remboursé, mais mis voiture fourrière. Pas très sympa. Ah bah là. Et est-ce que le policier Lecoq est toujours là ou pas? Il y a Dédé. Le policier Lecoq? Oui. Ouais, il est toujours là. Ah. Ah, bah d'accord. Je pensais que je m'étais trompé de poulailler, je pense. Allez, salut. La bonne marche, en tout cas. Merci. Quitter ta trois mâles à l'océan, Santiago. Il y a qu'à l'époque, on pouvait sauter les murs. Ça, c'était pas... Salut Collins, comment ça va? Merci d'être présent. Sentez mes pieds, sentez mes pieds. Il n'y a pas que tes pieds que je veux sentir. Et toi, tu veux la sentir, ça là? Ah, j'aimerais bien, mais bon, je suis pas très. Vu le gabarit, ça a l'air d'être vraiment. Là, t'as le calibre. T'as le calibre, c'est ça? Ouais. Attends, je vais tâter. Il est mort. Enlève ton pistolet. Tâte avec tes mains. Alors là, demandez à ceux-là, là, ils sont habitués à tâter du lourd. Vous êtes homosexuel, vous deux. Marc, ta gueule, toi. Oh. Je veux pas être témoin de ce qui se passe ce côté. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qui t'a donné l'autorisation de parler, toi? Marshall Palmy. Ah bah voilà, bah, parle lui, viens pas me parler moi. Toi. Ah oui, le général des délits homosexuels. Je suis pas général déjà pour comme ça. C'est un homosexuel. Elle est bien votre masque, hein? Pourquoi? Je sais pas. Bah, je sais pas. Ah, et je trouve que. Ah, mais vous avez changé de gilet ou... Ah, non, mais les gilets sont mieux comme ça en fait. Oh, au lieu d'être en noir. Ah, non, vous les avez en noir. À moins que ce soit les recrues. Vol. Ah, oui, je suis très, totalement conscient. Mais je n'ai en aucun cas menti. Hein, j'ai dit exactement. Non, tu veux pas? Ah, non, mais pas. Ah, c'est chiant. Il a dû
il a mal, il s'est mal encore expliqué. Tu racontes mal expliqué. Voilà. À tous les coups, ça va être le cas. Parce que tout à l'heure, à partir du moment où vous m'aviez dans votre bureau là-haut que vous aviez votre GoPro d'allumé, j'ai noté l'heure à laquelle ça a commencé et l'heure à laquelle ça a terminé. Donc votre GoPro, je vais faire une réquisition administrative et judiciaire sur cette GoPro qui est une désormais une pièce à conviction que je fais. Disons que vous avez peut-être changé de patron. Tout simplement. Yop yop. Salut Nova, comment ça va? Merci d'être présent. Le problème, monsieur, c'est que je n'étais pas en GoPro en fait. Je pensais être en GoPro, mais ça m'est sincèrement, monsieur. Je pense que toutes les personnes pourraient vous confirmer que je suis en GoPro. Jackson, c'est pas grave, monsieur, du tout. C'est pas grave. Jackson, du tout a été dit. Pas grave. Elle était pas allumée, tout le temps elle allumée, elle était pas allumée. C'est pas grave. En tout cas, j'ai très bien entendu ce que j'ai entendu, j'irai pas. Super Nova. Là, nickel. Avec une entreprise, si, bah oui, vous apparemment. Parce que du coup, vous êtes en train de me mentir face au ministre, face au général, face à. Mais du tout, putain, du tout, j'ai toujours été honnête avec le ministre et le général, monsieur. Donc, écoutez, monsieur, on va mettre les choses au clair. D'accord, tout à l'heure, vous avez été en possession d'une trousse à outils qui est totalement interdite sur le territoire. Vous m'avez dit. Maintenant, oui, vous êtes posé affirmative à chaque fois. Vous me direz à la fin. Vous êtes d'accord? Du coup, je confirme quand même. D'accord. Vous m'avez dit, lors de votre interpellation, votre placement au garde à vue, pour les raisons suivantes que je vais. Je crois qu'il est dans la merde. C'est un. Mazoko. Face à l'OPG, oui. Du coup, Scarfield, du coup, il la rejoint pas? Non, pas encore. Il peut dégager, c'est pour ça. Il va le prendre après. Ah, il veut détruire les oreilles, y'a pas dans la radio. Il serait quand même plus contentieux. Le retour des cauchemars des entreprises. Vous êtes d'accord, vous avez bien compris cela? Souci, monsieur. D'accord, donc je vous laisse préparer l'ensemble de vos conteneurs, de vos coffres, de tout ça, et laisser les agents faire leur travail. Okay. Pour information, si jamais à n'importe quel moment vous refusez de vous soumettre à cela, nous considérons ceci comme une entrave à une enquête judiciaire. J'ai toujours coopéré. Très grave. Oui, vous avez très bien coopéré, n'est-ce pas? On a dû sortir les menottes devant vos salariés, vos employés, vos amis. Quand je vous ai demandé vous m'avez arrêté parce qu'il y a eu un malentendu. Je vous ai demandé de marcher et que vous avez refusé de marcher pour nous suivre. On a dû vous prendre deux forces également. Oui, vous avez coopéré. Comme je vous ai dit, vous avez su me descendre de mon bureau alors que j'aurais pu marcher et en sortant de la voiture, vous me demandez de marcher. Oui, d'accord. Au niveau de mes employés, de mes clients, excusez-moi, mais au bout d'un moment. Donc, en tout cas, pour ma part, parce que du coup, tout à l'heure, vous m'avez pas laissé le temps de finir l'intégralité de tout ça. Je vous informe qu'il est actuellement 16h06 et que vous êtes placé en garde à vue pour le moment. Vous êtes placé en garde à vue, d'accord, pendant 24 heures. Cette garde à vue est reconductible, d'accord, selon les preuves qui vont être ajoutées au dossier, versées au dossier. D'accord, vous avez donc les motifs sont les suivants. Donc, outrage à agent et entrave à une enquête de police. Il n'y a aucune entrave. Vous l'avez fait tout à l'heure. C'est moi ici qui dis la chose. Vous ne me dites pas si vous êtes là, vous ne dites pas qu'il n'y avait pas eu, il n'y a pas eu. Je vous énumère ce qui s'est passé. Très bien, mais moi je vais demander pourquoi une entrave, par rapport à une paye d'un salarié. Bah oui, mais monsieur, arrêtez de souffler. On est en train de parler entre adultes, non? Je vous demande pourquoi une entrave. Pourquoi une entrave? Je vous ai demandé de nous suivre, je vous ai demandé, etc. Vous avez refusé, c'est une entrave, une enquête de police. C'est ce que ça veut dire, vous venez de le dire vous-même. Est-ce que j'ai refusé? Vous m'avez pris, vous m'avez mis dans votre voiture. Monsieur le ministre, on va demander au ministre ce qu'il en pense, d'accord? On va lui demander selon lui. Vous me prenez, vous mettez dans votre voiture. Comment je peux être en entrave, monsieur? Monsieur le ministre, il y a du monde sur le toit? Qui refuse d'obtempérer à ce que... Est-ce qu'il y a du monde sur le toit? Oui, apparemment. Comment appelle-t-on ça, monsieur le ministre? Une entrave. Une entrave, une enquête judiciaire. Donc maintenant, vous arrêtez. Yo Flo, bienvenue, merci d'avoir follow. Bienvenue à toi. Mais attendez,
Alors, je vais te le dire, ton vêtement a un ton, autant, je vais vous répondre, mais on n'a rien fait, moi, je vais vous laisser parler, d'accord? Ça commence à pire. Un ministre, vous êtes en train d'accaparer une unité en civil, vous êtes en train d'accaparer le CPA, tout ça pour vous donner en spectacle. T'as mis ton visage, c'est pareil? Non. D'accord, il a fallu que je vous dise... Ah non, j'ai plus de visage. Oh, j'avais pas besoin. Que ce soit joyeux. Militaire ou policier doit être fouillé. Et dès qu'on a vous a fouillé, vous m'avez sorti. Monsieur, j'ai quelque chose à déclarer. Non, vous m'avez pas encore fouillé. Oh, j'ai un visage. Arrêtez, c'est pas possible. Arrêtez, mais attendez. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je vous ai déclaré avant même que vous fouilliez que j'avais une. J'étais juste pas toi, bien sûr. Surtout les vraiment au valet. Je suis colonel en fait. Incompétent selon vos dires de tout à l'heure. Incompétent, oui, ça c'est certain. Ça, ah, oui, certain. Oui, oui, incompétent, oui. Monsieur, quand vos agents de sécurité se prennent pour des PDG, monsieur, ils vous disent des choses que vous ne marquez pas. Vous ne savez rien, c'est mon problème. Quand on est endormi, quand on dort, comment faire pour en tenir une carte? Mais monsieur, tu veux de la perturbation? Moi, tu sais, moi j'aurais peur de me faire engueuler comme ça. Genre je me fais encoller comme ça, je te jure, je donne mon cul direct. Hein. Lopez, abrège. Peu de remerde. T'as dû insulter des deux camps là. Je te jure, hein. Tant mieux, tant mieux. Nous on est le public. T'as reçu? Arrête, arrête. Ouais, il a pas reçu. Ah, moi je veux du fight, moi. Je veux que ça se casse taille, tu vois. J'ai une blague. Non, pas cette blague. Non. Yonki, bibi avec moi. Elle était bien celle-là. Là, tu trouves pas qu'ils sont bleus là? Moi qui voulais venir braquer la DC. T'es raté. Eh, tu trouves pas qu'ils sont bleus là? C'est bleu. Il faut revenir à là pour que vous écoutiez ce que je suis en train de vous dire, ça va très mal se passer. Font... C'est ça. Ils n'appliquent pas la centrale ce soir. Bah, ils ont oublié en fait. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a dénominé la centrale? En attendant, vous vous taisez. Il y a Nico Brun, il y a Viper ici. Donc, ça sert à rien. De quoi? Il me semble pas. Ah, lui aussi me semble. Que nous allons venir perquisitionner. Et vous, PDG que vous êtes, vous n'avez pas contacté votre avocat pour vous dire qu'une perquisition va avoir lieu? Vous avez même pas pris ce soin. J'ai merde, mon canamo. Vous vous foutez de moi. S'il vous plaît, on va peut-être pas commencer à respecter chacun va se respecter l'un à l'autre. J'ai envoyé un message à mon avocat. Mon avocat ne va pas répondre. J'ai merde, mon canamo. Vous n'avez pas d'avocat présent. Est-ce qu'elle n'a pas de batterie? Je ne sais rien. Voilà. Vous n'avez pas. Putain, mais il a jamais de batterie. Non, ils sont pas dessus, c'est pas pareil. Moi il a toujours une longue. C'est merde pour Kanama. La longue. Putain, il est ça va. Il est merde pour Cobra Lid. C'est un fait, c'est un fait, d'accord, très bien. Regardez mes livres de compte et on en reparlera. Et bah écoutez, apparemment, il s'avère que la BRF est là pour ça aussi. D'accord. Et on s'occupera de la partie financière plus tard. Il n'y a pas de soucis. Alors pour l'instant, les faits d'inculpation, les faits à charge contre vous sont ceux que je vous ai cités. Donc vous n'avez pas d'avocat, d'accord. Actuellement, vous n'avez pas d'avocat. Très bien. Est-ce que vous avez faim ou soif? Pas pour le moment. D'accord, très bien. À partir du moment où vous aurez faim ou soif, veuillez vous déclarer, nous ferons le nécessaire. D'accord. Tout ceci, monsieur. Est-ce que vous avez compris l'ensemble de ce que je viens de vous énumérer? Ouais. D'accord, très bien. Donc maintenant vous êtes passé en garde à vue. Fusil à pompe, un canon scié, deux cartouches, c'est illégal ça? Me semble bien, je suis pas sûr. D'accord. À vérifier. Monsieur, vous avez le okay. À vérifier, vite. Il y en a un qui a ça dans le sac à dos. Un canon scié, oui. En tout cas, continent. Ah! Sur le continent, c'est légal. C'est légal. Le véhicule est à qui là? On va aller travailler un petit peu. Je fouille tout le monde depuis tout à l'heure. Personne qui capte rien en fait. C'est génial. S'il vous plaît. Il est légal? Vous avez un permis pour ça? D'accord. Je regarde de près. En effet, canon scié, c'est légal. Effectivement, c'est bon. J'ai juste vous demander votre question.
Ok, est-ce qu'il y en a qui ont des armes longue portée ou semi portée dans les parages? Ouais, M249, ça tire à 700 mètres. Ok, nickel, il y en a un binôme qui va se poser dans les montagnes aussi. Tout autour de la DC. On y va avec Nibi. Ouais, on y s'en chopait un mec avec une trousse à outils. Merci bien, monsieur. Donc le véhicule, est, c'est bon, vous pouvez aller le garer s'il vous plaît afin qu'il ne gêne pas les interventions des agents. Faire attention à eux de ne pas les renverser accidentellement. Merci bien. Je... Oui, Dédé ? Non, 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 non. Mais... Poursuis ? Allez. Bah non, poursuivez, poursuivez. C'est hallucinant, monsieur. Je par contre, vos commentaires, monsieur, je pensais que vous aviez une GoPro. Vous avez flambé votre GoPro tout oui, à l'heure. Oui, j'ai vous nous avez menacé avec. Et en fait, vous n'avez rien. Bon, écoutez, ah oui, par contre, ah là, oui, par vous avez dit que vous avez parlé de vous au général, etc. Oui. Vous avez montré la GoPro par rapport à notre intervention, etc. Que vous avez jugé totalement. Dédé, voilà. Que j'avais parlé au général par rapport à comment. Je te laisse gérer ça, que ça peut reprendre un affaire là. Non, on n'est pas des criminels. Non. Ah bon okay. Bah, en monsieur Tanguy Marion, je vais vous demander d'accord. Les clés des trois entrepôts, pardon s'il vous plaît. Mais moi, je suis un criminel. On va voir ça juste après. Par contre, du coup, je vais se garder à l'entrée. Non, 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 non. Ok. Bon, les unités qui restent en Syrah, bah, du coup, au lieu de monter sur les collines, bah, vous faites la sécu à l'extérieur. Vous remplacez les filtres là. Ouais, désolé, les gars. Mais bien, monsieur Zoko. Je sais pas, apparemment il va y avoir une, cette surprise pour une trousse à outils et un outrage. Waouh! Transmet pour CPR. Si ça va juste là. On est 4 au bras du sol sur le piste d'ailleurs. J'ai bien fait de CPR, on va arriver. Attention, Bibi, je reculé. Donc par contre, il y a rien dans les. On peut pas voir les diamants et tout ça là. Ils sont où? Il n'y en a pas? Il y en a pas. Si, peut-être ah bon dans celui-là là-bas. Thomas, là, t'as les clés? Oui, oui, il faut pas ça. Non, mais non, non, les clés. Dire ça, moi. Alors, normalement, il y a rien. Confirmé que l'ex Samut, c'est légal. Samut, c'est pour les agents de sécu. Ok, et les cagoules? Non. C'est pour agent de sécu aussi, mais seulement. Je vais prendre des photos de ça. Les gens dans le sac. Bon, ça, hop, on met là-dedans. Cagoule, théoriquement, c'est plus autorisé. Une cagoule, c'est plus autorisé, c'est des masques à gaz. Je parlais que c'était plus autorisé, mais bon. Ouais, il y a des Surflex. Bon, en fait, j'ai pas les Surflex autorisés. Oh, il y a rien d'illégal, dis donc, hein. Vous êtes pas un criminel. Quoi, monsieur? Il y a quoi, monsieur? Je vais vous citer, écoutez bien. Écoutez bien. Allez-y, j'écoute. Alors, un truc rebelle là, c'est quoi ça? C'est une tenue rebelle, des chargeurs. C'est une tenue de chasse, c'est une tenue de chasse. Une tenue de chasse avec des sarplex, c'est une. Eh oui, mon frère, c'est autorisé par ministre. C'est autorisé par ministre. Alors, s'il vous plaît, monsieur, on va. Comment on va. Ah oui. Allez, Guy. D'accord. Ah, par contre, là, monsieur, hein. Mais je demande, monsieur. Vous parlez des choses illégales, on a rien d'illégal. Ça, c'est rebelle. Ça c'est un gilet pare-balles rebelle. Gilet pare-balles rebelle, attendez, je peux regarder. C'est pour les agents de sécurité, c'est du P5. D'accord. Et c'est des marteaux. Ouais, de toute façon, on le tenu. Tout ce qui est ici, c'est. En tout cas, moi j'en suis pas responsable. Très bien. Moi j'ai pas suivi. Oui, oui, alors oui. C'était, hein. Regarde dans le coffre. Oui, je suis. Arrêtez de me responsable. Arrêtez de me parler mal, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande, ok? Bah arrêtez de nous prendre pour des cons. Oh là là, mais est-ce que vous prenez pour des cons? Vous savez que je suis des cons? J'en sais rien, c'est pas mon problème ça. Depuis une semaine, j'ai récupéré tout, il y avait des cons. Qu'est-ce que c'est? C'est les cagoules, c'est plus autorisé. Et non, au vu de la loi. C'est les plus autorisés au niveau. Avant c'était autorisé, mais maintenant on a voté pour un masque à gaz. Vous avez été consciencieux dans votre travail quand vous ne vous demandez pas. Vous avez fait la navigation un par un de chaque entreprise.
Mais attendez, vous savez ce qu'est un service de PDG? Vous savez le nombre d'heures administratives qu'on fait quand on reprend une entreprise? Ok, c'est pas votre problème. C'est n'importe quoi. En effet, cette dernière... C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Tu as aussi entendu? Ah ok, c'est du bol. Mais moi j'ai pas le droit aux silencieux quoi. Il fait Oh! Des prêtres! Des prêtres! Très bien. Oui, c'est ce que je vois. On va pouvoir passer à la suite. On met les cagoules, mais les cagoules n'en tiendra pas compte. Non, les cagoules, on n'en tient pas. Ouais, non, mais en fait, c'est pas que j'étais au courant. J'étais au courant, mais en fait, c'était autorisé par le ministre et j'étais pas au courant. C'est envie, en fait. Pourquoi j'ai pas les clés? Pas les clés. Est-ce qu'on vérifie pas avant les camions d'entreprise? Vous voulez, monsieur? Oui, moi je fais une fouille complète. Vous voulez, la tempête embarque tout. Tanguy, Marion, je vous demande. Tempête embarque tout, bah justement, on va vérifier si la tempête embarque. Monsieur Tanguy, en fait, c'est pas comme vous, monsieur. Si vous voulez, en fait, à chaque tempête, nous mettons des étoiles. Chut. Si vous voulez, on va aller chez lui, on va chercher les fouilles papiers. Oui. Fais tout en même temps, comme ça t'en profites, comme un perquis, tu fais tout en même temps, comme ça. Monsieur le ministre? Oui. Est-ce que c'est normal qu'on me traite de la sorte pour une trousse à outils, s'il vous plaît? Oui, c'est normal. Ah oui, alors, qu'il y ait une perquisition, je suis totalement d'accord. Là, c'est l'OPJ qui a pris... L'OPJ, il a forcé. Il m'insulte comme ça, monsieur, s'il vous plaît. Il vous a pas insulté? Attendez, il m'insulte de PDG incompétent. Vous avez le droit de porter plainte après pour déposer une plainte qu'il m'a certifié envers cet officier. Il m'a certifié avant de perquisition que je perdrais mon entreprise. Il n'a pas le droit de se notifier ça, mais bon, ça, je verrai avec lui tout à l'heure. Ouais. Il y aura une explication au niveau judiciaire. Il y a qui pour Dédé? Est-ce que ça serait pas une bonne idée d'envoyer un ELCO ou une unité surveiller la maison de, du PDG, pas qu'il la vide entre temps? Bah allez-y. Bah on bloque l'entrée, mais on peut y aller. Bah allez-y, faites un tour les gars, pas de soucis. Ok, alors on y va. Vous avez pas expliqué tout le pour comment du monde. Tout à l'heure, tenez-moi au courant. Pour une trousse à outils, un autre. C'est pas pour ça. Il y a autre chose qui va arriver derrière. Il y a autre chose qui arrive derrière. Je vous ai dit, il y a une sucette surprise. Il y a une sucette surprise. Attendez, soyez patient. Soyez patient. Patience est une vertu, monsieur. Mmh. Ah, j'ai vraiment envie de m'envoyer en l'air, moi. Ah. Et votre femme pour ça Monsieur le ministre ou c'est Dédé? Non, c'est monsieur le ministre. Hein? J'étais qu'à la plage hier soir. Non, mais tu fais ce que tu veux, moi je veux pas savoir. Ouais. Moi, ta vie personnelle ne me regarde pas. Il va pas quand même nous sortir tout le stock. Ah bah si. Du coup j'ai envoyé un message à monsieur Bisbo pour lui demander de venir chercher son salaire, là, parce que le pauvre monsieur y a travaillé. Salut Ben, bienvenue, merci d'être présent, merci beaucoup. J'espère qu'il est ouvert. Il est ouvert. Quelqu'un d'intelligent. Tu fais maintenant là, t'es bloqué là, tu peux le refaire. Attends. Quoi? Non, ça va rien faire. Ah merde. Hop là. Oui, garde à vue, je ne peux pas faire cette salaire. Ah bon? Ah oui. Ah, vous êtes sûr de ça? Je suis sûr, pour le moment, je bah, suis. Non, pourquoi vous n'aurez pas le droit? Parce que je suis pas dans mes fonctions. Vous avez pas été mis en fonction là? Bah écoutez, vous me dites que je vais être mis en fonction.
négociation, donc pour le moment. Je vous ai dit que vous alliez. Et pour quel motif? Bah vous allez voir après, sucette surprise. Très bien, sucette surprise. J'attends vachement à votre sucette surprise parce que franchement. Oui, on en reparlera, pas... on verra après. Oui. En tout cas, sachez une chose, c'est que ce cadeau n'est pas de ma part. Une autorité bien plus compétente et qui elle, en revanche, vous ne pourrez pas dire qu'elle est incompétente. D'accord. 48, 39, 35. Voilà. Tout à l'heure, en fait, vous m'avez énuméré, vous m'avez dit que Monsieur Evil était venu dans votre entreprise pour vous proposer des trousses de réparation et des faux billets. Ce n'est pas moi qui vous ai dit ça. Ah, c'était Monsieur Josh, c'était votre adjoint. Ouais, voilà. Mais vous étiez d'accord, parce que vous m'avez dit que vous étiez d'accord. Bah, moi, j'en ai entendu parler, j'étais pas à présent. Ah, d'accord, très bien. T'auras du boulot à la BA, ils ont attrapé 3 personnes à la OI. Mais qui s'en occupe là, là qui équipement complet. Non, mais ils s'en occupent. Ah, bah oui, je leur ai dit que j'étais pas. La OI. Ouais, la OI. Équipement. Mais putain, mais c'est un phénomène d'entreprise de. D'accord. Bon, hein. Ok, d'accord. Je vais dire de tout prendre. Elle arrive, mais... Oui, ah, ouais, là. Il faut des photos, hein. Il faut des photos sur toi. Hein. De papa leader pour les unités sur la BA, parlez. Je veux des procédures propres, claires et nettes, donc des photos s'il vous plaît messieurs, pour éviter les listes de procédures. Merci à vous. Camion. Ouais, il y a beaucoup hein, ça marche bien la DC. Non pas tant que ça, moins que les autres entreprises. Hein. Du temps que je travaillais, ça bossait dur. Ouais, enfin, je pense qu'il y a un gouffre. Non. Bah, si, quand même. Pourtant, on devrait pas, hein, avec... Ouais, tu sais ce que c'est, la sucette surprise. En fait, la sucette surprise, c'est nous qui l'avons, en fait. Je dis ce que je veux, monsieur. Je dis ce que je veux, monsieur. Vous êtes une infraction avec une trousse à outils. De Delta Force pour les unités arrivant sur station service. Proche BA. En fait, on voulait pas taper tout de suite, nous, en fait. Mais le PJ voulait taper pour tes petits trucs, donc nous on voulait taper plus tard. Bah c'était faux papier en fait. Donc t'as su cette surprise, tu vas voir, c'est génial. En fait tu m'as proposé des faux papiers en fait. Dans l'entreprise, alors je sais pas si c'était toi hein, ou quelqu'un de l'entreprise m'a proposé des faux papiers. Voilà, donc du coup bah, j'ai remonté et tout à l'heure bah, t'auras la sucette surprise en fait. Ah bah c'est quelqu'un de l'entreprise. Du coup j'ai cherché longtemps ta maison et j'espère que je vais pas en trouver en fait. Parce que si j'en trouve. Sur la maison de Yuri. T'as vérifié que c'était toujours la sienne? Affirmatif. Salut Valéron, comment ça va? Oui. Ah, parce que je joue aussi quand je stream en fait. Voilà. En fait, moi, je voulais te taper, mais bien là, après. Mais bon, ils en ont décidé autrement. Ouais, Omega, elle arrive, mais je t'ai répondu. Depuis quand c'est du béton? Là, c'est moi, c'est l'air. Mais ça fait longtemps que c'est du béton. Ça, parce que ça, on fait les camions, quand même. Hein. Après, on va nous dire qu'on est des policiers incompétents. Elle l'a fait. Attends. Ok, c'est bon. Alors, faut m'expliquer ce que c'est JPP, parce que c'est, ça veut dire quoi, JPP? Ah, j'en peux plus. Ne dis pas que tu peux, t'as pas le droit de retirer de son entreprise. Seul le moi qui a le droit et. Il l'a fait DCP. Ok, il n'en peut plus. Et DCP, personne ne l'a fait. Je sais pas. Tu verras ça avec. Voilà. Les preuves, ils vont être comme elles sont, après tu vois. C'est avec les mecs qui traitent avec toi. Oh, je sais pas.
Alors les filles, on a plus aux soirées. Bah de toute façon, c'est pas moi qui ai traité. C'est loin les perquis, hein. Ouais. En plus, il y avait un braquage de station juste en dessous. Oh, quel dommage. Ils ont fait plaisir sur les caissiers. Les caissiers. Bah, je pense. Bah, sur la caisse, quoi. Bon, bah, c'est bien. Non, t'es pas au courant. On va où? Rendez-vous sur la maison du coup. Ah bah oui, bah allez-y. D'accord. Je vais lui laisser la parole parce que c'est son travail, il est le travail de son unité. Alors, voilà. Monsieur Dédé. Ah non, mais je vais laisser faire l'homme qui a investigué. N'est-ce pas, technique. Ah voilà. Donc, monsieur. Laissons à César ce qui est à César. Appartient au groupe Sira. Il va vous expliquer du coup ce qu'il a trouvé. Donc, j'ai des preuves bien sûr vidéo. Atteste également que votre directeur général et ami, j'imagine bien, serait en possession de faux papiers et en propos. Salut Joss Johnson, bienvenue et merci d'avoir follow la chaîne. Tu peux nous rejoindre sur Discord pour avoir les notifications directes de mes lives et de mes vidéos publiées sur YouTube, et naturellement de nous rejoindre sur des gameplays complètement différents d'Arma, comme R6 et tout ça, en créer des escouades communautaires. Merci à toi, bienvenue dans la communauté. Je parle bien vite. Evil ne sont que des agents pour la Sierra, et que votre entreprise est clairement induite en trafic de faux papiers. D'accord, j'aimerais bien savoir et avoir cette preuve-là, parce que... Actuellement, vous êtes en garde à vue, vous n'avez pas énormément de droits. Je comprends. On va se diriger vers le deuxième point, on clarifiera tout ça. Votre avocat pourra les recommander pour le dossier pendant devant le tribunal. Très bien. Là, j'ai pris tout en photo vos entrepôts, j'ai tout pris, donc vous verrez que tout ça sera versé au dossier. D'accord, mais un truc simple, est-ce que je ne veux pas me retrouver avec 100 000 papiers? Oui, mon vous inquiétez pas. Mon DG n'habite pas par là, je crois. Non mais vous êtes patron de l'entreprise, monsieur Zoku. Donc en tant que qualité de personne morale, nous allons vérifier naturellement vos biens privés. D'accord. Bon. Et je vous rassure, votre directeur général va être de même. Bien sûr, moi je vous informe que derrière ça, évidemment, je vous verbaliserai tout à l'heure et ferai du coup l'ouverture de votre dossier, etc. par rapport à la trousse à outils. Salut Johnson, comment ça va? Merci d'être là, merci à tous. On n'a pas eu le temps de continuer étant donné que la tempête arrivait. Quelle escouade? Escouade Cobra? Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer en fait, monsieur Zoko? Oui, par rapport à. Des armes avant d'être PDG, des. Ah, génial. Non, mais c'est bien, au moins c'est honnête déjà. C'est honnête, bon allez, d'état, sortez-le. C'est comme la pub de SFR, mais ça, c'était avant. Tu le fais, je pense que. Non, demande les clés, c'est plus simple. Demande-lui les clés, carrément. Bah, on se sent, monsieur, les traces. Détache-le et demande-lui les clés. Bon, monsieur Zoko, on va pas casser la porte. Vous avez les clés sur vous ou pas? Monsieur. Si c'est ça, bien sûr. Allez, détachez-le, prenez les clés, retachez-le. Et passez les clés à tout le monde. Moi, je vais vous donner une petite chance, monsieur. Bon, monsieur. Vous écoutez bien? Oui. Dans la maison, là, je veux un état des lieux complet de ce qu'on va y trouver. Il y a peut-être 5 trousses à outils, des armes. Oh, ouais. Il y a quoi d'autre? Il y a du stupéfiant, du narcotique? Non, du tout. De produits légaux, des lingots d'or que. Je vous donne ce document là également qui est un mandat de perquisition. D'accord. Fais gaffe s'il n'y a pas un explosif devant la porte, on sait jamais. Ouais, bah, la dernière perquisition que j'ai faite, j'étais à l'hôpital. Oui, bah, c'est pour ça que moi je me planquais derrière. Voilà. Okay. Vous allez nous suivre, je dois vous menoter par contre pour la procédure et on va vérifier.
C'est une Nick en premier front en plus. Ah ouais, bah comme d'hab. Bon Nick, bonne chance. Heureusement que j'ai trouvé la maison de monsieur, hein, parce que sinon il l'aurait toujours pas. Oui. Il a des talents, il est génial. C'est bon. Il n'y a pas ça à pas. Alors, où est quoi? Où est-ce qu'on va trouver? Si vous êtes. Ah, bah oui, ouais, c'est pas mal. Une arme et deux. Alors, AKS. Alors, photo, hop là. Alors, on va tout de suite regarder votre coffre-fort, monsieur Zoko. Il est beau ce canon là, il prend des belles photos. Hein. Ouais, alors, hop, le coffre-fort. Ah, bah oui, c'est ce que je disais, des faux papiers. Bien joué, garçon. Attendez, je veux voir ça. J'en ai un, monsieur, j'en ai un. J'ai pas un stock à vendre. Pour ma sécurité, monsieur, vous pouvez. Ouais. Vous savez à quoi? Vous savez comment on fabrique des faux papiers, monsieur Zoko? Avec des lingots d'or purs et des diamants. Dédé, vous voulez être sur la photo? Ah bah tiens. Allez, après tout. Hop, voilà, je vais juste. Attends, bouge pas parce que. C'est fait. Ah non, merde! Ma pause. Géographique de celle-ci. J'ai pas de mission police. La boîte de 200. Oui, c'est la boîte de 249. Et voilà, c'est fait. Ah, tu veux tout faire ça? Ah, bah oui, bah je suis colonel. Hein. Ah, oui, alors attention, bah oui, 3, oui. 2, 1. C'est bon, c'est dans la boîte. Ah, là, nickel. Bah oui, il y a aussi tout l'attirail du parfait fabricant de faux papiers. Hein. Oui, bien sûr. Ah, lingots d'or pur et diamants purs. Oh, oui. Il y a encore des trucs en haut là. Ah, oui. Je suis content là aujourd'hui. Je suis ravi. Ma journée radieuse. Non, Viper. Lis mon message un peu plus haut. L'escouade est un cimetière. Maintenant, tu le sais, Kai dire à la volée, Viper ne va pas très bien, plus personne ne veut. Écoute, okay. Je savais pas. Vous savez, les Sarflex, c'est le cadet de mes soucis actuellement. Donc, ouais. Mais vous faites bien de me le rappeler, monsieur. Je suis un ministre moderne. Tout à fait. Vous êtes très bien dans ce cas. Alors, cette porte. Tu vas tout le temps me souffrir. Attendez, vous êtes menotté. Ah, mais c'est quand même. Oui. Jackpot, les gars. Je pense. Pour papier, c'est ça. J'ai deux caisses en haut, beaucoup d'armes, beaucoup de chargeurs. N'oubliez pas les gars, l'essentiel de la fabrication des faux papiers, c'est des lingots d'or purs et des diamants taillés purs. Et il y a tout ce qu'il faut dans le corps. Ouais. Les faux papiers, tu les récupères pour Sierra, on est bien d'accord? Oui. Ça vous évite. Et s'il faut en fabriquer un petit peu plus pour vous. Alors, dis-moi. Mmh. Donc voilà, tu connais la marche à suivre. Ouais, du coup, j'ai une vidéo compromettante du directeur général aussi. Bien pris. C'est qui le directeur général, Dieu? Je veux pas savoir ce que tu vas me dire. C'est qui le nom du directeur général? C'est Tanguy là? Dédé? Oui. Informe que j'effectue la perquisition, la prise, la saisie de tout ça. J'ai pris des photos. J'ai des photos de tout partout. Donc c'est bon pour tes gars? Bah, c'est bon. Bon, messieurs à tous de Papa Leader, pour ceux qui sont sur la perquise, est-ce que c'est bon pour vous? Je vais procéder à la saisie administrative. À éclairer? Je vais procéder à la saisie administrative, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez pris tout ce qu'il fallait pour vous? Affirmatif. Donc les diamants, on peut pas te sanctionner. Les diamants, on peut pas parce qu'il appartient. T'as pris des photos du coffre-fort ou pas? Non, mais par contre, les lingots, il va m'expliquer où il les a eus. Oui. J'ai une personne qui m'en a vendu avant que je sois même employé dans la DZ. Ah, comme parce que vous savez ce que c'est en fait. Ça va à quoi ça sert? Seul le légal va rester là. Dédé, tu prends ce qu'il faut, je te dis. Ouais. Louis, attends avant de. La drogue, je laisse dedans. Hein. Oui, bien sûr. Bibi, t'as moyen de ramener un camion? Affirmatif. Un gros camion? Un camion consistant, on va dire. Avec tout ce qu'on a trouvé. Donc, je parierais, ouais. Affirmatif. Oui. On va aller au garage et on va sortir. Alors, monsieur Dury, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que du coup la police, désormais, n'est plus méticuleuse, n'est plus consciencieuse? Mais en fait, je pense que. La réponse, je veux juste une réponse. Oui. Non, mais par contre, on va tous se laisser parler. Hein. Non. Attends, faut que je refasse. J'ai fermé. En plus de ça, vous laissez encore entendre vers des conneries. Hein. Ok, continuez à mal parler. Écoutez, si c'est votre bien de vos monsieur, de mal parler.
écoutez monsieur, moi je vous parle bien depuis tout à l'heure, non? Ah, écoutez monsieur, dans le droit il est saisi que tout ce que vous direz pourra se rattraper contre vous. Alors, j'ai son nom, voilà, c'est ça. C'est l'avocat de l'entreprise également. C'est là. Ouais, c'est ça. Avocat privé. Qui, Loan Dublé? Oui. Hein? Mais elle n'est pas présente. Salut Wizard, comment ça va? Un message, mais il croit qu'elle n'a plus de batterie sur son portable. Oui. Oui, Tidias. Hein? Je réitère ce que vous aviez dit tout à l'heure. J'ai dit, je ne sais pas s'il n'y a pas de batterie ou s'il y a de batterie ou j'en sais rien. Je sais pas du tout. À tous, est-ce que tu devais prendre ça? Ah ouais, c'est bon ça. Alors, non, c'est bon, je voulais parler à Dédé, mais il était à côté de moi en fait. Excusez-moi. Bon monsieur, moins de problème. Je procède désormais du coup à la perquisition des items, des éléments illégaux. Pas de soucis monsieur. Alors, il faut se mettre ici je crois. Voilà. Et du coup monsieur, c'est par rapport à ça que je perds la DC en fait? Non, ça je sais pas. Ça c'est le ministre qui m'a décidé. Dédé, tu me reçois. C'est un Josh Edouard, il me semble, d'après mon avis. Affirmatif, mais je doute qu'il soit présent sur l'île actuellement. Non, il n'est pas présent sur l'île. Et même, on n'a pas fini nos investigations. Ah, il y a d'autres... Ah bah oui, lui, il est plein de faux papiers aussi. Mais en... Ouais. Ouais, mais faut qu'on trouve où il loge, lui. Qui, Josh Edouard? Ouais. On l'a à la maison. Ah, tu l'as? Oui, on l'a. Ah bah nickel! Mais il est pas présent. Ah merde! Ça, c'est moi nickel. C'est ça. Ah merde! Merde! Ah bah oui, merde. Bon, merde! Pour le coup, vraiment merde. Ah merde! Putain, merde! Merde, 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 merde. Quelqu'un peut me refermer la maison? Bah attends, c'est pas pour un trousse à outils présent dans mon sac à dos dans l'entreprise qu'on peut aller dans l'entreprise. Ou sinon, j'ai rien compris. Je coupe le son de secondes. Le camion arrive. Je pense que mon travail en tant que PDG, je le fais bien. Alors oui, j'avais du matériel illégal, une trousse à outils sur moi qui était présent du coup dans l'entreprise, dans mon sac à dos. Mais pour moi, ce n'est pas une raison. Monsieur, je vais vous expliquer certaines choses, d'accord? Quoi? J'ai, avant d'être gendarme, avant d'être policier, ou d'être militaire. Pour des tels faits, d'accord? J'estime. Trop ça outil, ouais. Monsieur, vous me laissez finir quand je vous parle. Je vous laisse finir. J'estime. Alors c'est arrêtez de me sortir un commentaire en fait, à chaque monsieur. Fois. Alors c'est arrêtez juste un de me sortir. Oui, mais c'est mes droits, monsieur. Fois. C'est mes droits. Non, c'est pas votre droit. Vous c'est, avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit de garder le silence. Oui, c'est un droit. C'est un droit, c'est pas une obligation, monsieur, s'il vous plaît. D'accord. Sachez que si votre avocat serait là, il vous dirait la même chose. Parce que toute chose que vous pourrez dire qui pourrait vous causer problème sera retenue contre vous lors de votre procès. C'est exactement ce que je vous dis lorsque je vous ai cité vos droits. En soit, plus vous parlez, plus vous allez prendre cher. Voilà. En termes faciles. Parce que depuis tout à l'heure, vous vous mettez encore plus à la faute, là. On arrive ici, finalement, il y a des armes. Finalement, il y a des machins. Mais pourquoi finalement pourquoi vous mettez pas les choses bien? Je vous dis, vous m'avez demandé si j'avais quelque chose à déclarer, je vous ai déclaré avant que vous rentriez. Non, c'est vous... pas ça. Bah si, attendez. Là vous êtes en GoPro encore une fois, vous pourrez réécouter ce que vous avez dit. Avant que je vous demande s'il y avait des choses dans la maison, vous avez dit à mes collègues, par contre je vous préviens, il y a des armes de avant quand j'étais PDG. Oui. Et après je vous ai posé la question, j'ai dit écoutez monsieur, on va faire sur table, vous allez me dire maintenant qu'est-ce qu'il y a dans la maison. Donc ne venez pas me dire que machin, c'est encore le même coup que la trousse à outils. Bah je vous ai dit ce qu'il y avait dans la maison, des armes et des trousses à outils. Maintenant monsieur, je vais vous dire quelque chose, d'accord? Un PDG qui est sérieux, qui fait bien son travail, qui est consciencieux dans son travail, d'accord? Il s'assure que ses salariés le soient également, d'accord? Il s'assure que ses salariés, peu importe laissez-moi parlez... finir. Mais vous parlez du salarié, mais monsieur... Hop, désolé, j'étais au téléphone. Hop. C'est incroyable, mais vous aussi. À savoir monsieur que plus vous parlez, plus je suis en train de compter, ça sera présenté justement lors du. Il n'y a pas de souci monsieur, on me dit qu'en gros je ne fais pas bien mon rôle de PDG, je ne peux pas être présent tout le temps. Non mais tout à fait. C'est mal faire son travail de PDG. Non mais pas du tout, c'est ma vie privée. Laissez-moi finir monsieur. C'est ma vie privée, j'ai rien à voir avec la société. C'est ma vie privée. Vous êtes censé être un exemple. L'exemplarité. Vous êtes PDG d'une des plus grandes compagnies d'Altice. Vous siégez à un bureau devant le ministre pour venir vous plaindre des taxes que vous demande le gouvernement
Et vous voulez me sortir quoi ? Votre baraque est remplie de drogue, de trucs illégaux, d'armes, etc. De drogue, y a pas de drogue. Bah ouais, c'était quoi la drogue ? Le camion est là ? Je vous donne un commun. Non, le camion est pas là. Ah. Vous ramenez un camion ou pas ? Ah, fais sur le sang. Ah, nickel. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc tu m'as dit quoi tout à l'heure, la oil aussi était full équipée, ouais, c'est ça? Full équipée là, mes hommes ont ramené les mecs comme ça. Ok, donc on va traiter. C'est qui? C'est des employés ou? Aucune idée, je sais pas plus, j'ai pas vu plus d'informations. Ok, nickel. Bah, écoute, on va vérifier ça. Déjà, ah. Écoute, les deux là dehors, ça fait quelque chose. Ouais. Vous avez vu Nick Nick là comment il vous a mangé? Vous avez vu Nick Nick là comment il vous a mangé? Et c'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. Je réitère ce que j'ai dit. Alors le serfrag, on peut... On laisse, les pincements. Alors, monsieur le ministre, Dédé. Oui. Je suis en train de le faire pousser à bout, c'est normal. Ouais, d'accord. Je veux qu'il craque, moi je veux l'entendre pleurer. Oh bah tu fais ce que t'as à faire mec. Tu te démerdes. Non mais je vous préviens, soyez pas choqués. Non, t'es au PJ. Ah non mais tu me choqueras pas moi. Il y a un minimum. Ah, un taxi. Bien évidemment, monsieur. Étant donné que cette saisie est fructueuse. Par contre, je vous écoute plus. Non, vous m'écoutez. La fille, mets-le derrière, ce sera plus simple. Mets-le derrière. Alors, comment on fait déjà équipement? Non. Comment on fait déjà pour prendre ça? On peut plus. Oui. Je peux avoir quelqu'un s'il vous plaît, on va vérifier aussi tous les véhicules de monsieur dans son garage s'il vous plaît. À s'assurer qu'il n'y a rien de rangé ou décaffé dans les coffres. Comment on fait pour les prendre? Ah bah c'est bien ça, si on peut plus les prendre c'est très bien. Oh, c'est... Ça craint rien que... En fait c'est pas ici monsieur le ministre, c'est un peu plus par là-bas. Je vous passe les clés, je vous passe les clés. Bon, c'est légal. FN, ça c'est interdit. Ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Ça vous plaisir. Hein. C'est interdit. Alors, ok. La batteuse. Même les serflex, on les sort? Négatif, pas les serflex. Ok, ok. 762. Une trou. Ok. Non, non, non. Bon bah voilà, ça c'est fait. C'est bon. C'est ouais. Ouais, là... ouais, faut prendre ce qu'il y a dans le... Dans l'eau, tiens, juste... Ça du coup, il suffit ici. Allez, okay. J'ai tout pris. Ah bah le... ça va sur le dos aussi. Oh ouais. Vous avez saisi, vous avez fait une fouille là ou pas? Tu feras gaffe, Nick Nick, t'as mis par terre des trucs. Comment on fait déjà pour fouiller là-haut? Ah merde! Je voulais mettre. Ah merde! Je voulais les mettre dans le camion. Vas-y, je le fais. Je le fais, t'inquiète. Oh merde, désolé. Oh, par contre, j'ai perdu ma AK. Dans le camion du coup? Ouais. AK, Pour information à tous, j'ai dû démonter le suspect pour qu'il puisse me donner les clés à chaque fois de ses véhicules. C'est reçu. Bon, on a suivi. Et ben, du coup, perquisition finie pour la maison. Ouais, c'est bien pris, t'appelles. En fait, on n'avait pas besoin de camion, les gars, ça rentre dans le minibus. Oui. Confirmé, je peux fermer la maison? C'est confirmé, moi j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai les photos, j'ai tout ce Ok, maison fermée, tout est saisi. Maison fermée? Elle est pas fermée, non? Si, c'est bon. Tu fais la bagnole toi? Ouais, c'est bon en fait. Vous en êtes le seul responsable. Oui,
quai, vous pouvez la ranger. Vous avez un garage et tout en plus. Eh bah dis donc, vous avez sacré de belle bagnole hein, pour un mec qui dit que ça rapporte pas la DC1. Non mais... Eh, on a une vie ah oui, excusez-moi, pardon, c'est la vente d'armes et puis les faux papiers et tout qui vous font payer ça. Pas du tout, j'ai acheté 2,3 millions la voiture, alors bon. Ah bah voilà. Moi j'ai pas de voiture à 2,3 millions. Ah ouais, on sait où va la voiture, hein. Vous savez, nous, la police, on est incompétents, mais on gagne pas beaucoup d'argent. Ouais. C'est pour ça. Ouais, avec 3 milliards sur le compte en banque. Ah bon? Bah écoutez, je peux vous dire exactement combien j'ai. Hein. Non, c'est bon, j'en ai rien à faire. Je suis à 10 millions de compte en banque. Non, mais. Bon bah alors taisez-vous. Et ça fait longtemps que je suis dans la police. Ouais. Voilà, vous pouvez ranger voiture suivante s'il vous plaît. Oh, cette soirée aurait été plus que magnifique. Attention à toi, Nick, il pourrait essayer. Malheureusement, ça serait bête que tu prennes un coma alors que tu as fait un très bon travail. Oh. Ok, voiture suivante. Bon! Alors, j'aimerais savoir, Dédé. Oui, c'est moi, oui, vas-y. Quand le gars il sort sa voiture, quand il était au garage qui fait réparer, ça efface pas tout ce qu'il y a dedans? Non. En fait, quand on rentre, okay, dans le garage, il n'y a plus rien. Bon? Ah oui, il n'y a plus rien, ouais. C'est pour ça, à chaque fois, depuis tout à l'heure, je vous l'ai dit à la DC, monsieur. Oui, mais c'est pour être sûr. Moi, j'aime bien être sûr. Oui, moi, j'aime bien soucis, le travail bien fait, vous voyez. En fait, je comprends, il n'y a pas de soucis. Hein. En fait, tu rentres le véhicule dans le garage, l'équipement à l'intérieur reste, sauf les accessoires. S'il ne le met pas dans le garage, il y a tout qui s'efface. D'accord, ok, ça marche, c'est ce que je voulais savoir. Tu peux la rentrer, monsieur, hein. Suivant. Ah, c'est, en fait, j'ai deux fois la même. Ah, deux fois la même, d'accord. Il y a encore beaucoup ou... Vous faites rentrer tout ça dans un petit garage comme ça, wow. Ouais. Ah ouais, quand même, hein. À la limousine et tout, Ah mais c'est le véhicule qui a été vu sur un braquage. Ah, pas du tout, hein. Je peux te sentir, c'est une blague. Arrêtez le pauvre, déjà. je pense que là, franchement, j'ai une claque de me faire... Vous avez fait monter combien d'enfants, là? Vous avez une claque de... Vous avez une claque de me réveiller et de... Et d'en prendre autant de réflexion. Non, mais en fait, il y a venir pour faire ce qu'on a à faire. Oui, voilà. Tu vois, ce genre de truc-là, ça me convainc. Vous aimez pas la poésie? Ouais, la poésie, ouais. Il y a un minimum. Monsieur, c'est encore un double ou... Ah merde, non. Non, il est pas rentré. Si c'est le même, il est pas rentré. Ah, j'ai pas rentré, ok. Oh bah putain, la vache, tu es celui-là, faut m'expliquer, vous voulez rentrer dans le garage, j'ai vu la taille du garage et la taille du véhicule là. Oh putain, en plus d'être patron d'entreprise, il est architecte. Dans la porte. Tu fais peur avec ton pistolet quand même, hein? Quoi? Tu fais peur avec ton pistolet, ça te manque? Non, je suis en train de me récupérer, j'avais tout pour vider avec eux. Ok, c'est bon, pour rentrer aussi celui-là. Ah là, oh là, monsieur Yuri, putain, vous allez me donner beaucoup de paperasse au final. Oh là là. Au moins une heure de travail, même plus que ça. Encore une! Eh, c'est la deuxième! Putain, elle est belle celle-là. Ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu acheter, mais j'ai jamais trouvé. La deuxième qui sort. Ouais. Bon. Là, qu'on voit vraiment les moyens, ils ont de la chance. Hein. Ouais, parce que moi, ma bonne femme, ma femme, elle a toujours voulu faire un tour de limousine. Ah, c'est bon, vous pouvez ranger, suivante. Vous l'avez acheté où celle-là? À la LC. Ah, ils vendent ça encore, hein, tu sais? Ouais. Oh, mais c'est cher, hein. Oh, c'est une des moins chères. Des voitures les moins chères. Vous me la vendez, celle-là? Hein? Ce serait pas bandit, ça? Non? Bandit, non, mais fou! Ah, écoutez, quand on voit l'armement dans votre maison, on sait pas qui vous êtes vraiment. Hein. Ouais, bah, regardez les véhicules de la LC, alors, dans ce cas-là, monsieur. Quand même 25. Je me mets dans la voiture, je prends un petit abs. Ah bah comme d'hab. C'est bon, voiture suivante. Ah bah dis donc. Vous avez joué à... Vous avez été sur le plateau de 12 coups de midi, non? Vous avez gagné la vitrine?
En rentrant de voiture ou quoi? Ouais, il a trouvé Jean-Luc Reichmann. Là, c'est gagné. C'était Jean-Luc Reichmann, hein. Reichmann, bah oui, Reichmann. Ah oui, Reichmann, hein, parce que... Voiture suivante, s'il vous plaît. Bon, bah c'est bien. Attendez, problème de cerveau. Ah oui, je comprends bien. Ouais. Bon, là, monsieur. Et moi, après? Je suis encore à la... Il y a encore ou il y a plus? Non, il y a plus. Ah oui, il y a encore. Oui. Ah, il y a encore. Oh, oui. Y a encore oh, c'est à la fin. Ah. Il en reste... un quad, ça vous intéresse? Ouais, bien sûr. Nous, tout nous intéresse. On prend tout. C'est comme avec les femmes. Tout nous intéresse. Vous êtes moche, et vous êtes moche. Avec grand plaisir. Et t'es moche, et encore plus moche, et toujours moche, et encore moche. Oh là là, quel moucheté. Oh là, il est pas beau. Oh, merde. Ouh. Oh là là. Lui aussi, comment il est rentré? Dans la porte, dans la porte coulissante, ça rentre. Ah, oh, vache. Coulissante, ça rentre, vas-y. Mais tu vas avoir 50 000 clés, toi, à force? Eh, passe partout. En fait, il a le garage des Minimoys. Il a un pistolet, il tire sur le véhicule, ça le met en minuscule, là, les véhicules majorés. Et hop, après, il est dans le garage, parce que là... C'est bon, monsieur, jamais. J'ai jamais eu de garage de ma vie. Je gagne pas assez de pognon. Ça coûte moins cher qu'une maison, hein. Bah oui, mais j'ai pas de maison. Ah oui. Ah, ça nous évite d'avoir des choses d'avant d'être je ne sais quoi dedans. Ah, quand même. Merci pour votre intervention très pertinente. Ah, mais y'a pas de problème, hein. Avec le plus grand plaisir est pour moi. Bon, là, on va bouger. Hein. Ah, écoutez, le dessus, là, c'est combien là? Oh non. Combien? 4, je crois. 4. Allez, on active un petit peu le pas. 1, 2, 3, 4, 7. Allez, on active le pas, s'il vous plaît. Hop là, allez. Allez. Je fais aussi vite que je peux. Ah, qu'est-ce qu'on est serré. Y'a rien. Ah ok, allez. Bon monsieur, vous savez quoi, je vais vous faire confiance. Allez hop. Faites gentil. Allez, on bouge. Allez, suivez-nous. Vous venez devant moi, vous mettez... Allez, on bouge. Allez, on est ready. Oui, merci à vous. Enfin, allez, bouge. Bouge. Oh, on bouge. Ça risque de faire des dégâts, mais... Vous n'êtes quoi, direction de la BA. Que tout est bien fermé. Voilà. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Tu fous ma gueule ou quoi? Approchez-vous de la porte et venez vous assurer qu'on a bien fermé la porte. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette facteur? Il peut pas monter tout seul. Hein. Voilà. Ah oui, pardon. Mince. Faut lui ouvrir la porte. Je l'ai. Ouais, j'ai des petits problèmes de tête. Hein. Monsieur, à deux, on est parti. Aïe. Attention à la tête. Et aussi, j'ai la vidéo qui. Prouve que le DG vend des faux papiers. Hein. Ah, c'est bien pris, je vous remets cette vidéo pour la version dossier du coup. Et voilà. Donc, monsieur Yuri, état constatation de tous les faits. Bon, là, je sais même plus par où vraiment commencer. Du coup, je vais rajouter tout ça à votre dossier. D'accord. Donc là, vous doutez bien que vous partez, comme diraient des gens dans la street, pour la zonzon. C'est quoi la street? La street, c'est la ville, c'est voilà quoi, c'est comme ça qu'ils parlaient Jones. Ah d'accord, je sais pas Jones. Bah, je sais pas, j'entendais des enfants derrière vous, donc, je pense que vous étiez une petite famille, des enfants. Peut-être que des fois ils entendent des trucs mais comme pas, ça. Pas aussi vieux que ça quoi. D'accord, ok. Donc du coup voilà, vous allez là en zonzon, donc qui dit zonzon dit prison, d'accord. Pour tout cela, vous allez en percevoir une amende très importante, très très importante. Le reste du coup ce sera, donc moi je suis plafonné hein, d'accord, moi je m'arrêterai uniquement à 500 000 dollars d'amende parce que c'est les procédures, nous ouais. Respectons des procédures, des protocoles. Le reste ça va être du coup les agents de l'OGIA, donc le département de la justice d'Altos qui va s'occuper de ça. Ouais. Donc voilà, d'accord, donc je tenais à vous essayer tout ça, donc je rajoute en tant que chef d'inculpation sur tout cela, du coup équipement, armement illégal en grande quantité. On dépasse pas les 80 km/h. Attention de produits stupéfiants, narcotiques. D'accord. Un
ainsi que du coup il y a eu du coup du recel au final parce que vous avez eu comment ces lingots d'or. Mais monsieur, des graines de pavot c'est illégal, je crois que c'était. Oui c'est illégal. Vous êtes médecin? Mais c'est les graines d'une plante qu'on trouve dans des champs. Vous êtes médecin? Mais c'est juste des graines en fait. Vous êtes médecin? Mais c'est que des graines. Vous êtes médecin? Vous avez des graines médicinales? C'était des graines médicinales? Vous êtes médecin? Vous avez une autorisation pour cultiver le pavot? Non. Donc le pavot sert à faire de l'héroïne, monsieur. Quand on voit votre équipement, etc., je pense qu'avant, vous étiez un petit délinquant, un racaillon, on appelle ça un racaillon. Du tout, hein. C'est ce que j'ai trouvé hier sur la route. Oh, vous l'avez trouvé. Mais mon dieu, vous trouvez plein de choses, vous. Eh ben, oui, mais par contre, monsieur... On va vous prendre dans la police, vous avez trouvé des points de drogue. Non, pas du tout, loin de là. Oh, vous voulez pas trouver des choses? Alors... Moi, je pense que vous devriez ouvrir une entreprise d'objets trouvés. Très bien. Ah, je pense qu'on vous ferait de l'argent. Hein. D'accord. Vous imaginez, avec tout ce que les gens y trouvent, des gilets pare-balles, des armes. Ensuite, les gens les entendent tirer, puis ils disent que c'est des armes. Bah alors, monsieur, on s'énerve. Pourquoi vous énervez, monsieur? Ah, les gens ils tirent avec des armes lourdes et tout, des armes létales, puis dès qu'on leur prend, ils disent non, c'est du airsoft et tout. Alors, quand on les essaye sur eux, bah ils sont blessés. Une question, vous avez contacté comment général? Le général, comment j'ai contacté? Par téléphone. Par téléphone. Oui, par téléphone, d'accord. Dites-moi, monsieur Yuri. Ok, très bien. Dites-moi, monsieur Yuri, vous voulez vraiment combien sur ce jeu-là? Parce que là, ça va être très dangereux pour vous. Eh ben, allez-y, dites-moi. Vous avez envoyé quoi au général sur la radio sécurisée? Comment vous êtes au courant? Parce que le général est un très grand ami à moi. D'accord. Et quand il est venu tout à l'heure sur le territoire, là où j'ai pris mon service, je lui ai présenté mes respects, il m'a informé qu'il avait reçu de manière anonyme de la part d'un Yuri, apparemment, il lui aurait dit et toi anonyme, tu me défends anonyme pas. Anonyme de la part d'un Yuri. Et toi tu me défends pas, vous lui avez envoyé. D'accord, ok. Toi tu me défends pas. Pourquoi tu me défends pas, vous lui avez envoyé? Vous avez pas honte, monsieur Yuri? Moi j'ai dit ça. Oui. Est-ce que je peux me défendre déjà? Ah écoutez, là, dans le gars. Alors, vous êtes avocat? Vous voulez vous auto-présenter? Et là, ce que vous racontez, c'est quelque chose qui n'est pas ici. Alors déjà, là, vous êtes... Ah, là, mais justement, vous venez me demander comment j'ai rencontré le général ou comment je l'ai contacté. Non, mais on sait très bien je vous demande comment vous avez fait pour entrer en contact avec le général de la gendarmerie, la personne qui lui est autorisée à avoir une identité différente pour éviter... Mais gendarmerie, parce qu'avant il était aussi ancien général de gendarmerie, vous savez, un général c'est un éloge, c'est prestigieux le passage qu'il a eu, ses années d'expérience, le travail qu'il a eu, etc. Et oui monsieur. Voilà, en fait t'es en train de me gaver, mais vous allez à bout, hein, réellement, vous êtes à bout là. Hein. Ouais, vous êtes à bout. Hein. Ah, mais t'es content, tu bandes là, j'en suis sûr, tu bandes là. T'es en train de me gaver, mais un truc de fou. Oula! Oula! Non, sérieusement, c'est vrai, arrête. Ah ouais? Bah non, j'arrêterai pas. Arrête, tu vas niquer un an et demi là, arrête. Je t'ai niqué un an et demi? Bah tu vas me niquer un an et demi, arrête. Ah bah écoute, ça c'est Arrête, t'en pourris. Je t'en pourris rien du tout moi monsieur, je suis policier, je dis ce que je veux monsieur. Moi il y a le ministre qui devrait avoir 2 minutes de silence pour sa tête. Ah, pour le ministre, je vais faire ça. Jusqu'à là, c'est silence pour le ministre. Non, on a gravier. Maîtrise, pas de panique. Par contre, c'est monsieur Evil qui m'a envoyé un message pour vous, monsieur. Il veut savoir quand est-ce qu'il pourra avoir son salaire. Ah, oui, c'est vrai, le droit de garder le silence. Je vais lui répondre, je vais lui dire actuellement, vous êtes.
c'est bien, il y a la casquette qui vient d'arriver, il va me passer la photo de tout à l'heure. Puis il va pouvoir participer à votre audition, étant donné que vous n'avez pas ces démarchages qui ne vous ont finalement plus donné cette trousse à outils. J'éteins les joues de phare. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Alors débarquez le prisonnier. Oh, je vous laissais marcher. Vous me suivez s'il vous plaît? Le camion, je vais faire une photo les gars de tout ce qu'il y a dedans pour être bien, pour être sûr d'avoir tout. C'est bien pris. Vous me suivez monsieur? Ah, ok. Retirez vos lunettes, voyons, vous allez vous faire mal aux yeux. Alors, vous rentrez dans cette cellule temporairement s'il vous plaît. Bien manger, bien boire. Je vais vous démenoter une fois dans la cellule et vous donner de quoi boire. Je vais vous donner un petit donut. Après tout, je vous ai beaucoup fait parler, je peux comprendre que ça donne soif ou faim. Bon, Sierra, nous on va continuer. Allez, c'est parti. Il me faut casquette par contre, le Dédé. Casquette, t'as des cheveux. Ouais, il vient de prendre son service à la BA, là, il a envoyé un message. Un SMS à la police, il a envoyé. Ah, il est pas. Si, je suis là, je suis en train de prendre la déposition de monsieur Williams. Okay. Alors, du coup, je prends votre. Tiens, on va voir l'OPJ. Votre pièce d'identité, s'il vous plaît, parce que je vois pas votre. Vous avez une voiture, les gars, ou pas? Non. Bah, on reprend une voiture, on reprend quoi? On reprend les minivans, là. Comme tu veux. Bah, je m'en fous, si on prend le minivan, vas-y. Je sais pas, il y a une Nick dedans, je sais pas. Les okouilles, ah, oui. Donc, je vais vous donner deux donuts. Plaisir dans le minivan. Deux bouteilles d'eau. On prend un minivan, du coup? Hein? On prend un minivan, du coup? Ouais, si tu veux. Je vous laisse donc deux donuts. Ouais, oui, ça vous pouvez avoir remonté bien, non? Vous avez donné deux. Nick Nick! Nick Nick! Attendez, mettez juste vite fait les mains sur la tête, je garde juste votre sac, s'il n'y a rien de dangereux. Surtout pour vous, lors de la. Ah, faut que je vous menotte. Monte là-dedans? Oui, on va monter là-dedans, les gars. Sur vous, on est combien là? Ouais. Tu veux démarrer? Ils sont braqués, un sécu. Qui? Bah, c'était Laure qui vient de me dire, il s'est fait braquer. Bah, sérieux? Ouais. C'est lui qui. Où? Il s'est fait braquer. Je sais pas, c'est. Il est au-dessus, il a peur. Ouais, oui, comprenez ma défiance. J'aimerais bien ne pas avoir trop de problèmes par la suite. T'es là, tu t'es fait braquer où? Je conçois. Ah, molos. Par qui? Je sais pas, des mecs qui m'ont du coup apparemment à qui j'ai vendu. Alors, mon âme. Casquette, est-ce que tu peux venir en bas? Ah oui. Là, t'es encore en Arvac et ils m'ont demandé au tout début quand je suis arrivé si je pouvais pas laisser une unité du côté de molos parce qu'ils y traînent souvent. Ok, merci à vous. Et ils t'ont braqué quoi? Oh là 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 là. Moi rien, il voulait juste mon âme. Ah d'accord. En fait ils ont piqué son âme en fait. Ah alors. Armand c'est pour aider leur dieu qui s'est fait emprisonner par son frère. Ouais. Parce que. Ah oui non. Là, après moi ce que j'ai retenu c'est surtout qu'ils m'ont atteint de serflex et qu'ils m'ont menacé avec des fusils. Donc, ouais je veux bien. Ah pareil. Ouais, après ils m'ont dit qu'ils étaient pacifistes, mais voilà quoi. Ouais, avec des armes et en tatan de menottes. Oui, c'est pacifiste. Et en ayant tiré des coups de feu pour faire pression, voilà. Ouais, c'est pacifiste. Okay, je pense qu'on n'a pas la même définition du mot pacifiste. Ouais, on est d'accord, hein, c'est pas. Personnellement, j'ai pas non plus cette définition-là, mais. Ils étaient habillés comment? Tenue, c'est un peu. En tout cas, genre les grandes robes qu'on porte dans le désert, etc. Pour éviter d'avoir moins chaud, mais en noir. Ah, en chapka ou je sais pas quoi là. Ouais, un peu du genre, ouais. Le visage du coup à moitié voilé un peu. D'accord. Je vais m'occuper de ça. Ça marche, merci. Tout s'habillé pareil, tout s'équipé pareil. Ok. Bon, je t'appellerai, je t'enverrai un petit message si je les ai. Ok. Pour le reconnaître. Il y a un de la Sierra là, il a tout. Il y a un numéro de téléphone aussi qui était. J'en ai peut-être même plusieurs d'ailleurs des numéros de téléphone.
Ouais. Ils nous ont spammé de messages. Ah, t'as un numéro de téléphone du mec ? Alors, bah, j'en salut ai à quoi du stream. Du coup, merci d'avoir du follow. Merci beaucoup. Mais du follow, tu peux nous rejoindre. Ouais, en basket, t'es où ? Même ouais. Coordonnées. Les gars, c'est qui les gilets, la tenue et le sac à dos de police qui se trouve en haut ? Du coup, ils ont toutes mes informations. Au niveau de la boîte qui est par terre, là, avec la caisse est ouverte, tout est ouvert. Si mes gars, ils ont tout, c'est l'essentiel. Non, la boîte et la caisse, c'est normal qu'elles soient ouvertes, mais les gilets par terre, c'est pas normal. Donc, ils ont tout, quoi. De quoi ? Les mecs, ils ont tout, alors. Ouais. Qui c'est qui a tout pris du général, là, de la sécurité civile ? Qui a tout pris ? Casquette, je crois, un truc du genre. Ouais, toutes les infos. Ah, c'est casquette, t'as pris. C'est casquette. Ok, nickel, tu gardes les numéros de téléphone et tout, on va s'occuper de ça. Allez, les gars, on s'équipe, on va prendre Viper Cobra, on va monter un Molos. Merci, Taylor. On va régler ça. Pourquoi Molos, Dédé ? Parce qu'ils sont là-bas. Un bon quart d'heure, après, ils ont dit qu'ils traînent souvent là-bas. Ok, ça marche. Merci, Taylor. Bon, allez, on va chercher ça. Des hommes en Shepka qui vénèrent Dieu et qui veulent l'âme de civil. Ok, ça marche. Ouais. Je te garde casquette et je te le ramène après sur ce. Ouais, pas de soucis. Casquette, tu restes avec l'OPJ. Si, je viens de revenir, j'ai eu un petit problème de cerveau. Ok, bah tu restes avec l'OPJ. Ok, bah du coup, Sarah, change le programme, on prend des VL rapide. Mais il est où l'OPJ ? Ah, j'arrive ! Tu es en bas avec le ministre ? Allez, on bouge, Sarah. Tu prends une RF. Ouais, Zizi, tu montes avec qui toi ? Avec Bibi ? Zizi Bibi, ouais. Ça marche bien ça, hein ? Ouais. Un binôme de choc, ça zizi bibi. Zizi bibi, ils ont toujours la forme. Zizi bibi. Tu connais ça ? Zizi bibi ouais. Ont toujours la forme. Du bâtiment, s'il te plaît, ça me fait trop plaisir. Bibi, zizi. Par contre, Nick Dédé, ça fait un peu vulgaire. T'es gueux. Avec grand plaisir. Canal 6. T'as une voiture ? J'ai une voiture, comment on fait ? On m'a vu à la DC. Vas-y, je sors le VL. Ah, tu sors le VL. Test Canal 6. Ensuite. Voilà. Ah ouais, mec, là c'est hardcore ici. Vas-y, bisous à toutes. Attends, je prends une Red Bull. Ouais. On va petit footing. Allez. Ouais. Ouais, ça va plus ça. Okay. Enfin parti ce con. À chaque fois que je me retrouve en face. Putain, c'est bizarre, les gars. Vous êtes vraiment des mecs bizarres. Pourquoi ? Quand je vais m'occuper de vous, ça va chier. Le jour où je vais m'occuper de vous, ça va chier. J'aime les menaces. T'aimes menacer toi aussi ? Ah ouais, c'est très sympa. Ouais, c'est sympa. Ça se passe, c'est ça. Ok, Viper ou Cobra lead ? Viper ou Cobra lead ? Ouais, tu me fais une com longue sur. Cobra lead. Oui, tu veux quoi ? Je veux qu'ils nous rejoignent sur Molos. On cherche des hommes habillés en Shepka qui vénèrent à Dieu, qui braquent et tatanent et menottent des gens et tirent avec des fusils en l'air. C'est rallye pour Cobra lead. Affirmatif, du coup, de Sierra Lead, est-ce que vous pourriez nous accompagner, tu peux venir, vous pourriez nous accompagner au niveau de Molos ? Nous cherchons des hommes en Shepka et qui vénéreraient un certain dieu et qui s'amuseraient à menotter toute année et à tirer en l'air. Au niveau de Molos, s'il vous plaît. Il demande CPA aussi. CPA également, on aurait besoin de vous sur Molos. Je comprends pas. Vous l'avez bien poussé à bout, Yuri. Ah, c'est un peu énervé, Yuri. Ah oui, oui. Ouais, je t'ai pas vu, frère. Désolé, j'ai pas vu ta super Mercedes full machin. Hein? Je sais pas. Pourquoi tu dis Titeuf à Rest ?
First PVP. T'es RP toi avec ton PVP. Ah, Titeuf, c'est les mecs, d'accord. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas. Uno first. Ouais, joli ça. Ils sont là. Steph, c'est le gars. Oh, oh garçon. Bonjour. Salut, ça va quoi? Bonjour. Faites quoi dans le quartier? Compris. Vous faites quoi dans le quartier? Bah, rien du tout. Ah, comment ça, rien du tout? Attends. Il n'y a pas de feu de détresse sur cette voiture. Tu mets deux fois les clignotants en fait. Vous êtes tout nu, ça me fait peur. Non, faut pas en peur. Ah putain, mon couteau de saucisson quoi. De Cobra Lead, on a Nifrit sur notre position. Ensuite. Ah, j'ai le buisson là qui me gêne, je vais mettre devant. Vous êtes tout nu. Vous pouvez venir s'il vous plaît, on voudrait savoir où se trouve la route de Molos. On est perdu. Vous êtes tout nu. Ah! Tous les deux? Non, ouais, le monsieur à gauche. Chapeau. Attends, j'arrive. Monsieur là, il est tenu. T'es tenu, toi là? À Walpé. Hey, garçon! Tenu, t'es à Walpé, monsieur là? Bah! Parce que nous, on est perdu en fait. On cherche Sophia en fait. Et on sait pas où c'est. C'est là-bas. D'ailleurs, si tu veux, on peut t'y emmener en échange d'un petit quelque chose, si tu veux. Si tu veux, c'est quoi que tu veux? Ton âme. Mon quoi? Ton âme. Mon âme. Oula. Mais voilà, c'est bizarre, toi. En fait, t'es bizarre parce que mon pote, il est tout nu et toi, tu me parles d'âme. T'es encore plus bizarre, toi. Non, moi, je te parle juste de... Moi, tu te proposes quelque chose. Moi, en fait, j'aime bien... La police, il veut faire... Ah ouais, d'accord. La police qui arrive, ouais. C'est génial. Ouais, c'est bon. Mais c'est peut-être pour c'est canada. Bah non, bah j'espère pas. Faites gaffe parce que vous avez fait un excès de vitesse. Hein. Mon dieu. Bah ouais, hein, super. Eh bah c'est super ça. Et du coup, ouais. Ça vous intéresse ou pas là? Bah du coup, vous êtes en état de l'arrestation, messieurs, pour braquage sur la sécurité civile, c'est la police. Allez, les mains sur la tête. Ouais, mains sur la tête. Mains sur la tête. Allez, c'est parti là. Mains sur la partie. Allez, hop, c'est parti. Voilà, allez, c'est bon, interpellation des individus pour braquage sur la sécurité civile au nom du général. Merci à tous. Est-ce que quelqu'un peut venir? Non, mais c'est pas grave, on a une plainte sur vous, donc ça tombe bien que vous m'avez proposé mon âme parce que c'est exactement ce que vous lui avez proposé. Ah oui, la victime. Et ouais, mais c'est pas bien de tatane menottes et tirer en l'air. C'est interdit ça, monsieur Sonil. À tous, est-ce que vous pouvez venir sur ma position, s'il vous plaît? Monsieur. On a tapé personne, on a braqué, mais notre... Bah, j'ai une plainte sur vous, ça tombe bien, je vous cherchais depuis tout à l'heure. Besoin de renforts pour embarquer les individus, s'il vous plaît. Mais ça y est, l'enquête est déjà finie, monsieur. Allez, main sur la tête, l'enquête est finie, monsieur, c'est bon, on discute plus.
Ouais, c'est ridicule. Ouais, parce qu'on a pas tant de personnes. Bah ouais, bah on verra ça avec la victime, monsieur. Tu diras arrestation de Paxi. Ça va être discret, des fois. Attention, au niveau de la station service, il y avait encore un van Mercedes V250 avec une Porsche Cayenne couleur camouflage. On n'a pas trop vu ce qu'il y a dedans. Ils sont partis sur la station. Ils sont partis vers vous. Par là-bas, monsieur, par là-bas. Ok, vous m'emmenez, on a exactement les individus qu'on recherchait. On aurait besoin d'une temps renfort pour les embarquer. Deux ou trois voitures de préférence. Ah ouais, ouais. Bon, j'entends bien un véhicule qui sort de Paros dans la direction. À vous, le collègue. De Sierra pour CPA, est-ce que la Porsche Cayenne Camo, le Pax, est un individu armé? Affirmatif. Même tenue, même arme. Demande d'interception de Sierra, du coup. Affirmative, interpellation des individus, vous les ramenez tous à la BA, s'il vous plaît. On va où? Et vous souhaitez bonne chance à l'OPJ. Affirmative. Ah, on va là. Préparez 3 à 4 véhicules, messieurs. Non. Je suis à l'ébarme, monsieur. Merci. Madame, je la change souvent. On menote ou on les fait monter? Ah, fille, vous menotez interpellation. Ils sont suspectés de violence et de kidnapping sur un agent de la sécurité civile. Sans oublier, bande de malfaiteurs. On menace une malfaiteur en bande organisée. C'est maloté. Il faut taper très fort sur le mot suspect. Ouais, ouais. Vous n'allez pas apprendre mon boulot, monsieur. Allez, vous êtes embarqué. Hop. Vous avez entendu, monsieur? Hop. Vous escortez jusqu'au véhicule. On aurait besoin de plus d'une Tessera sur du boutique pour crocheter leur véhicule. Démenoter, bah on peut vous donner les clés, monsieur. Bougez pas. On peut vous donner les clés, on a la peine de crocheter. Hein. Vous donnez les clés. Allez, montez les filles. Le plan monte. Oh, je te connais, t'as vu avec ta barbe. Ah ouais, regarde derrière. Ouais, bah justement. Tu sais pas, c'est quoi là? Vous crochetez les véhicules et on les embarque aussi, les véhicules. On aurait pris les clés, monsieur. Ah, c'est pas des véhicules, ça. Sur Tessera 2, impact. Ça te courroie 3 en part direction. Monsieur. C'est lesquels qu'il faut coucher? Divers, j'ai demandé un mec qui a demandé les clés, hein, ça va plus vite. Hein. Intérêt? Demandez les clés à un mec. Attends, ressors-le. Tu veux qu'il donne les clés? Vous prenez les clés, vous me les faites parvenir, les gars. Faites-moi sortir, je vais les donner aussi. Merci mon petit Steveverse de Rossum pour 3 mois, merci beaucoup, merci à toi la famille. Normalement il y a encore un Mercedes V250, je sais pas où il est passé, si vous l'avez encore sur vous les autres unités. A deux de ta force, on décroche le pétrole. Papa leader de Sierra. On va vous suivre, pas loin. Fais-le à la longue. Le Cobra est direction BR. Monsieur, je vais demander monsieur Odor Alvart. Il y a que celui-là. Ok, voilà. Ben ça c'est le nôtre en fait. Non. Ok, on va devoir crocheter. Trouvez-moi les clés de la Audi, les gars. Allez-y. C'est celle du monsieur qui a les clés d'eau. Les OPJ, ça y est. Allez, on se dépêche un petit peu, s'il vous plaît, les gars. Toujours donné à 60 au tatouage 68-161. Faut crocheter celui-là, c'est jamais. Faut pas les faire. Merci. Bon. Okay. Alors, tac. Vas-y, annule les clés. Bon. Et voilà. Voilà. Ok, c'est clair. Allez, pour les duels. Recrue, vous me prenez ce véhicule. Allez, on bouge. Vous allez pas mettre mon V2. Casquette, tu prends ce véhicule, je prends ta Audi. Et moi, je prends quoi? Bah, tu prends le VL, non? Je prends le VL gris. Ah oui. J'ai pas l'équipe. Mets ma voiture en foyer ethnique. Ouais, elle est pas équipée la tienne? Que bralit de CPL. C'est que j'avais.
quand même, le gars. C'est exactement ça. Voilà, ils ont un peu mal joué. En fait, on reçoit une plainte du général de la sécurité civile en disant qu'il a été tata, menotté, frappé et menacé avec des armes parce qu'ils veulent son âme par des individus. Et là, je m'arrête à la station. Un mec qui dit à une seule condition, je te rends service, c'est que tu me donnes ton âme. Voilà, en plus, on a le numéro de téléphone, on a tout, donc là, ils sont un peu bien. De Sierra 2, on dépose une action, on vient directement sur le site. On a un camion en direction de Calitaire. Je peux voir la plume sur moi. On accélère contre. C'est même le terrain qui s'est barré qui est en train de se planquer dans le bâtiment. De Dimmers, bougez-vous, venez même avec vos véhicules de saisie là. Apparemment, ça va pas trop si on fait quelque chose. Ils ont un autre. J'ai un véhicule en dessous de toi, Mac. Pour accélérer. Information ? Casquette pour Serraïd, on se rend directement avec les véhicules de saisie sur la position en dimanche. Ouais, affirmatif, ouais. Affirmatif. Mais pas avec les packs, les gars. C'est l'otage. Otage, il y a déjà un otage. Équipez-vous en enceinte. Papa leader 2DD. Il y a déjà un otage. Non. Dédé, tu vas dans la mauvaise direction, Dédé. J'ai un contact sur ma gauche encore pour toi, Dimmer, je crois. Casquette, tu montes avec moi, tu laisses le VL ou tu. Ça a déjà enlevé, tu montes avec moi. On en a un sur nous, il peut pas s'échapper là. On a les gars qui montent dans la Audi. Bloquez-les. On a pas de véhicule pour bloquer. Allez, on bouge, on bouge. Il est où le général là? T'es là? Tu vas. Les mecs qui sont là dans la voiture m'ont proposé leur âme, ils voulaient mon âme. Donc, c'est à mon avis, c'est bien, viens voir. Il arrive sur la route. Ouais, c'est dans quoi, ils sont habillés comme ça. Bon, mais nickel, il y a l'OPJ qui va prendre ta place. Ok? Ouais. Et on va les mettre garde à vue et voilà. Ouais, je veux bien, moi. Tant qu'après, j'ai pas de problème. Non, t'inquiète. On les prend en chasse de ce rallye, ils se dirigent vers l'est. Il y a un véhicule sur moi là. Joker sur Jacob. Et faut le aussi là. Ils sont deux. Faut le poursuivre, c'est pour qu'il y ait l'otage là. Dans l'Audi. Otage, Audi, deux otages. Direction. T'es là aussi. Aussi. Lopez. J'ai besoin de toi, rapide. J'ai des personnes qui sont venues en enfin, position technique. Chopez moi cet otage là, vous me défoncez cette bagnole. Affirmatif, autorisation. Lopez, vite. Il faut que je parte sur un truc. Ouais. Si jamais vous ne payez pas cet employé, je vais vous bon, file toi, t'as du boulot. Tu es en bas d'un cours, viens descendre. C'est quoi tout ça? Bon, viens, je t'explique. Viens, ouais, l'abus de pouvoir, ouais. La dictature, hein? Une Ford Focus Nord. Tiens, alors, mets-toi en voix faible. Alors, le général de la sécurité civile est dans l'accueil. Il a été tatane menotté, on lui a pris son âme. Ils l'ont frappé, ils ont tiré en l'air avec des armes, d'accord? Ils veulent son âme. Donc du coup, il dépose plainte. Donc il a un numéro de téléphone et il m'a donné une description d'habillement et ça correspond au mec là-haut. Ouais. Donc du coup, je suis allé à la station, je les ai croisés. Je leur ai dit, je me suis perdu, je voudrais bien la route de Sofia. Ils m'ont dit, à contrepartie, on veut ton âme. Donc je suis tombé dessus. Voilà. Donc ils sont baisés.
et t'as le numéro de téléphone de la victime qui est à l'accueil, plus le leur, et tu vas faire la coordination et ça va être bon. La GoPro. Hein voilà, moi ouais, j'ai la GoPro. Donc voilà, bon courage. Sierra, on se dépêche. À l'est de notre position, sur position de Dimmers, on a un véhicule abandonné noir. Confirmé qu'il n'y a personne. Affirmatif. Sierra, de délai. C'est le DRS6. Affi. C'est celle qu'on a chopée tout à l'heure, on l'a laissé sur place. RS6 radio aux unités à côté des dômes, on a la poursuite d'une RS6 noire impact sur la tête. Il arrive, Taylor, t'inquiète. Hein. Taylor, il est là, c'est le général de sécurité civile qui a été victime. Comment ça se fait qu'ils sont plusieurs dans une petite. On a pris des somas, on a du tatal menotte. Sierra, 2DD. Venez me chercher, rapide. Alors, 1, 2. C'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ce gouvernement? 7. Ils sont 7. À Dimmers, on en est au clotage. On étouffe là-dedans, y'a pas de fenêtre. De Dimmers, on en est au clotage. Contact langue. Combat sur combat. Combat de quel camp précisé, les gars? Non. Lieutenant combat sur combat 3. Encore des packs sur vous? Affirmatif. Alors. Ma gueule ou quoi là? Aidez, sur devant la PA. Non, je suis derrière. Ça récupère moi derrière. Affirmatif, on approche. Bon. On a une PMA de Bibi. J'ai un collègue coma sur moi. Des casquettes, je prends contact pour mettre PMA en position sur le. Deuxième renfort sur Cobra 3. Le Bibi pour Doc. Diablo pour le blanc. Transmettez. Allez, fonce. Sur toi. C'est où? On a le lieutenant Canamo ouais. Qui est coma, on le ramène dès. Putain, j'ai pas de gilet pare-balles. Info sur la position de Pax restant. Négatif, je crois que la position à côté de la, du véhicule noir qui est resté des grandes. Il reste un Pax sur nous. Qui mettez des points cartes s'il vous plaît, des points cartes s'il vous plaît. Prenez ce réflexe là, une zone ou un point. Avancez, j'ai parqué un Pax là devant. Vous me recevez? Ouais, j'ai mis le point sur la. Bien sûr, monsieur. Allez, allez. C'est une zone précise ou c'est approximative? Zone approximative. Okay. Le pack s'est déplacé, il est à pied, il a cassé avec son véhicule. C'est habillé, tenu? Tenue noire. Ok, il est là, devant, il est couché là. Il est couché, il est couché. Il est coma, il est couché. Il est à gauche. Coma, il y en avait un deuxième? Aucune info. Si, moi j'ai vu, on en a vu, on en a vu. J'ai un médecin. On a vu qu'un Pax qui est descendu de la voiture qui a commencé à arroser et après. Affirmatif, affirmatif. CP a confirmé que vous le prenez. Ah, si on le prend. Personne n'a vu déjà. Ça a été fait. Je vais prendre rendez-vous sur Santiago pour voir s'ils ont besoin. Négatif, nous sommes négatifs. On suit une RS plus noire et on a vu sur coup noir dans le champ. Cobra en face de Cobra 2. Transmet. On a le lieutenant Canamo qui est comment il faudrait que vous venez sur CPA. C'est pour ça qu'on est revenu, c'est pour ça qu'on est revenu, on a vu donc. Bah écoutez, vos coms, c'est normal. Parce qu'il est l'otage. Bon, montez. Go, go, go. Go, go, CPA. PMA sur B1. Affirmatif, j'ai fait une demande de PMA. Mettez-moi carte, sur carte comme vous voyez le PMA. Merci. C'est bon, Cobra France de Cobra 2, il y a les sécurités civiles qui sont sans BR. Merci. Hunt Corleone, c'est un de tes indiques. Mais il a pas le droit de porter des armes, bien d'accord. Il a porté des armes dans son véhicule, il vient de dire. Dans son véhicule, il peut. Hein. J'ai une terre restante.
Et pourquoi ils sont sur, sur Negadeth s'ils sont pas avec? Bon alors eux, les gens là, les gens qui ont des divinités, je sais pas quoi là. Oui. Alors eux, ils demandent des choses en contrepartie de l'âme. Oui. Ok. Ils veulent une âme. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Et ils ont menotté et frappé le général de la sécurité civile. C'est moi qui ai pris sa déposition. Ah oui, voilà. Bah bon, c'est bon, ils sont interpellés. Hein. Ah, tu le sais aussi. Ah bah je viens de les interpeller à Kalosho. Ils m'ont demandé mon âme en contrepartie de ma route. Je suis prêt. Je me lis le message casquette s'il te plaît. Quoi? CAP Telos en dessous de mine de sel. Trace GPS. Plus de trace GPS, prise d'otage. Ah oui. Ça c'est problématique par contre. Mais si je comprends pas, il y a une prise d'otage là? En fait, je comprends rien de ce qui se passe. Ah, d'accord. J'ai vu qu'il y avait une opération et des packs. Il reste quoi comme unité là? Ah, ouais, je vais faire un check. Trinqueur se barre depuis mine de sel. T'es né l'RPS, casquette? Affi. Vas-y, pose-le dans le BS. Otage oil. Hein? Oh, et toi dans ton VL, rigole pas, hein? Je comprends pas là ce qu'il y a là. Ah oui, c'est les gars qu'on cherchait. Les gars qu'on cherchait tout à l'heure? Ouais, là, mais le. Il y a ceux qu'on vient de choper là. Avec qui on a eu code noir. Ouais. Il y a quoi avec eux? Ça va, tu chez toi? Je comprends pas ce qu'il se passe. Mon petit Kerry. Je sais qu'il faut arrêter les méchants, mais c'est tout ce que je sais. Ah, d'accord. Braqueur dans Audi grise. Ah, Maxime. Oui, c'est ce qu'on a les take down. Mais... Ouais, et on fait quoi avec eux? Faut les take down, et le code noir est engagé, je sais plus depuis combien de temps maintenant, mais. Ouais, ça, tu... D'accord. Et là, ils sont dessus, en fait. Ouais, ils sont dans. Oh, ah! J'ai pas tué les pare-balles pour info. Oh putain! Je suis désolé, messieurs, vous allez bien? Putain! Ça vous laisse faire ça, allez, au code qui tue. Bon, par contre, j'ai toujours pas tué les pare-balles. Ah oui, ça baigne, hein. Tranquille, comme dirait. Hein. Tu m'entends? Putain, tu m'entends? Putain, merde! Bah ouais, putain! C'est reçu, on arrive à Kalosho, on va leur. Mais toi, t'es occupé? Attendez là, Delta pour tous! Attends. C'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes? On est sur le LRS. Pourquoi? Près de Sofia. T'es là quoi? Pour me. Parce qu'il y a les flics là, je sens qu'ils vont m'attraper. Les flics? Ouais, les flics. Pourquoi? Parce que j'ai de la merde. Ah, t'as un camion rempli de mètre? Ouais. Tu veux qu'on t'escorte? Ouais, si c'est possible, je vous donnerai un peu d'argent. Ah ouais, y'a pas de soucis. Ah bah attends, je vais voir ça avec mes potes. Et les gars? Eh? Et bah, le mec il nous propose de l'escorter, il a un camion plein de mètres. Attends! Ça vous dit de faire un peu de thune ou quoi? Ouais. Ah bah écoute, c'est nickel. Bon, ça marche. Bah moins que ça, on va prendre 250 000, c'est bon? Ouais, c'est bon, allez. Eh, hey, attends, c'est quoi ton nom? Attends! Donne-moi ta carte, putain, il est pressé. Ouais, il est très pressé. Bon, félicitations, Mathias, t'es en état d'arrestation, c'est la police. Allez! Bah si. Allez! T'es en état d'arrestation, les mains sur la tête. Allez, direction la BA, on va t'escorter jusqu'à là-bas. Bien joué, sinon, Mathias, je suis content de toi, Alexis. Allez, on y va. Allez, écoute.
avons intercepté la fente. Faut allez, on y va, direction B1. Personnel est commun. Moi, tu fais une com' longue comme quoi on a trouvé. Vous avez intercepté un camion, du coup? Ouais, ouais, on l'escorte. Non, non, on l'a pas intercepté, on l'escorte. C'est différent. Ah bah, on vous appuie, du coup. Affirmatif. On l'escorte à la BA. On a CPA qui a localisé la RS7 grise avec les otages, hein, pour information. Ils sont au-dessus. On s'en occupe juste après, on va donner ça. Alors lui, champion du monde. Il va s'éclater. Le pauvre minou. Franchement, là, ça me fait de la peine en fait. Là, j'ai presque envie de le relâcher, le gars. Quoi. Si, si, on dépose ça à Papa Leader et vous y allez. Enfin, vous, vous y allez, mais nous, on dépose ça à Papa Leader. Quand se mettait ? Oh, j'ai même pas envie de l'envoyer. Cobra 4, Riol, Tour Solaire, Yerka le Chouri, récupère un pack, s'il vous plaît. J'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de le faire chier, le minot. Il était tout mignon, quoi. Je vous remercie. Mais c'est le jeu, quoi. C'est... Oh, le pauvre gars, quoi. Le mec, il a farmé comme un gros porc. Ouais, c'est ça en fait. Ah oh, putain, il me fait de la peine, lui. Je vous jure. En plus, il a démonté son camion en farmant. Bah oui. Pauvre type, putain. Je joue, moi, non. Alors, mais sur zone, sur quelle. Franchement, j'ai pas envie de le faire chier. Mais... Alors lui il a un message, plus. Il a envoyé des messages à l'administration parce que son pote est blessé dans la gun, dans une fusillade avec la police. A new follower. Salut c'est Bloss, bienvenue, merci de follow la chaîne, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je te laisse aussi nous rejoindre sur Discord et sur YouTube pour voir les vidéos et avoir des notifications, des lives, et des vidéos mises en ligne. Merci à toi et pareil pour toi Jim Kafox. Merci beaucoup les gars, bienvenue dans la communauté. Hein? Alors, je peux pas dire. Je viens de me follow sur ta chaîne. J'adore ton contenu. Est-ce que tu proposes de venir me follow également? Ça pourrait évoluer. Merci, mon petit Sebos. Pas de problème. Je vais te faire ça dans soi. Salut! Comment ça va? Comment ça va, Fafapay? Bienvenue. Merci d'être là, les gars. Hein? Comment est-ce que ça va? Il y aura également un camion orange Renault Truck qui est en bas pour que tu puisses le perquis. Pardon, pas salut. Putain, je vais prendre mon gilet pare-balles. Salut Marco, ça va mon petit Messi? Bisous. Ça va, ça va. Attends, attendez-les. Il va chercher son. Son gilet. Oh les gars, là. Qu'est-ce qu'il a encore à gueuler? C'est quoi ce truc? Allez, on va dire le dehors.
Hop, c'est bon. Désolé. Oh putain. C'est quoi là? Le Sierra pour les unités BR, on a un veine noir en approche de la BR et faites attention à vous. Vous lui avez dit pour la mettre à Papa Leader? Ouais, ouais. Oh, bah, okay. Bon, il a l'air plus que de... Que plus que... absorbé par son travail et débordé, mais bon. Donc ça lui plaît. Sierra 2 pour les unités BR. Alors désolé, je me suis pas trop occupé de vous là, les gars. Alors, c'est bon. Toujours la sécurité sur place, on ramène un pax. Hein? Affirmatif. Ouais, alors, ouais, je t'ai pas répondu, mon petit Kiri, tout à l'heure. Alors, retour de l'OPJ, ouais. Retour de l'OPJ, FSP non, mais retour de l'OPJ, oui. De Papa Leader pour le général. À l'écoute. Là j'ai besoin de vous et de renforts sur la BA, je peux pas tout gérer tout seul, c'est impossible. Bah moi non, mais tu prends d'autres mecs et qui te fait traiter les trucs, c'est bon. Ouais mais je peux pas décider de qui je vais prendre ou pas, c'est pas mon rôle. Je m'en occuperai après, je cherche des personnes là. Technique pour Bibi. Oui, on ramène un pax là, la BA. Dis-lui de s'occuper. Okay, d'accord. Info sur ce qu'il y a là-bas. En train de chercher Dragon de... le deuxième otage. Donc vous restez en appui avec Papa Leader. On a besoin de thermique, on cherche des gens au sol. Le main comme long est dû à Papa Leader qu'on leur donne l'unité Sierra. On va nous mettre un cercle sauvegarde. Hein? Je te fais. Sierra Lead pour Papa Leader. J'écoute. On vous ramène, il y a deux officiers Sierra qui vont vous aider à traiter les PAX. C'est reçu, par contre j'aurais besoin de vous, j'aurais besoin de toi d'aider. Parce que là, ça tournait mal et il y a eu des choses que je n'acceptais pas. Reçu. On arrive. Affirmatif, c'est urgent ou on peut attendre? Ouais, parce que tu sais qu'il t'est arrêté et il y a eu des insultes qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir. Ah. Bon, libérez le canal, vous réglerez ça après. Ah. Ça, c'est problématique. Ça, c'est très problématique. Dragon de Delta, vous recevez? Transmettez. Est-ce qu'on peut faire un check thermique de la côte et des forêts là tout le long du littoral, depuis l'acheteur de sel jusque Sofia? C'est bien pris, je vous fais ça. C'est le bordel. Papa Leader, c'est comme avant, enfin son rôle, et le système, c'est comme avant la santé, etc. Ouais, c'est ça, on fait un pas en arrière en fait. En fait, on garde l'évolution d'aujourd'hui, mais en faisant un pas dans l'arrière au niveau opérationnel. Vivement qu'il y ait plus d'OPJ. Ouais, demain je crois. Ouais, oui. Après, c'est comme un rôle de magistrat, mais en mieux. Quoi, Papa Leader? Et Toto, où tu vas? Merci d'être là. Hein? Ouais, c'est. Faut aimer rester à la BA et traiter les papiers, hein. Le CP pour Delta Fort. Allez, écoute. Sur position de Pax plus. Ouais, reçu, on arrive. Là. Attends, on a quoi? On a deux dragons et un Delta Force, c'est ça? Non. Non, un dragon de Delta Force. Vous avez pas ça, vous avez des observations? Ça marche pas. Nous, on cherche des otages. Annulez le com, ça marche pas. Bon, les gars, si on doit rester à la BO traité, vous changez, vous mettez en policier, vous changez, vous mettez ça dans votre voiture. Tu vois, pour pas vous griller, quoi. Oh, ils nous ont grillé depuis le début, de toute façon. Quand je suis allé donner le pax, etc., c'est nous qui les avons arrêtés. Ah oui, bah oui. Allez, vas-y. On s'en fout.
Qui c'est qui était avec moi quand ils m'ont proposé mon âme? C'était moi, c'était moi. C'était, ils sont cons. Ah, j'adore. Oula! Oula! Portif ici! Et où le salopard? C'est qui a dit ça? C'est qui a dit ça? Non, j'abuse des mecs. Attends, non, tu me le laisses, tu me le laisses. Le blanc policière gazé pour rien et les yeux. Non, non, c'est pas ça. C'est qui? Non, regarde, alors lui, tu bouges pas. C'est bon, on sait pas pourquoi on est là. C'est qui là? Il a rien fait de mal. Tu bouges? Ah, purée, l'hélico qui est pas sonné. C'est lui là qui que j'entends là depuis tout à l'heure. Dédé. Oui. Oh non, il douche à gauche. Pour information, les mecs. Ouais. Ah, non, c'est hein? On les a fait passer la vitre Constantin et il a confirmé aussi. Bon bah voilà, donc c'est baisé. Hop! Moi je m'occupe de la mettre et tout ça. Allez hop! Allez viens avec moi toi. Hop. Alors ton petit nom toi. Ah ouais, c'est Alexis toi. Bon Alexis Matas, ça me fait mal au cœur, hein. Je suis désolé. Mais là j'ai pas le choix. Hein. Quand même. Bah ouais. Tu m'embêtes toi. Hop. Donc, t'es en garde à vue, hein, pour détention de stupéfiants. Tu penses bien, hein? Ouais. Donc là, je fouille ton véhicule. Hop, en ta présence. Apparemment, il était un intérimaire. 550 200 de drogue. Ok. Cristal de méth, 104. T'en as sur toi ou pas? Je sais plus du tout. Regarde. Si tu peux. Si je peux. Ou de menace, moi je regarde. Non, mais t'inquiète, je vois ça. Non, on parle pas, attends, je vais aller voir, je suis occupé. Venez, suivez-moi. J'ai le bon follet. Je me suis endormi. Viens voir. Ça part me casser les couilles après. Et 12, donc 104 plus 12, ça fait 116. Ok. Escorté, hop. Allez, on va dans mon bureau. Tous comme moi. Oh, par contre, c'est infernal ici. Je suis avec eux. Ouais, c'est une cagasse. Ça arrêtait jamais, hein. Scène de goût en train de se faire casser. Bonjour, monsieur. Si tu veux regarder, j'ai rien sur vous. Hop. Là, vous êtes 3, alors qu'à côté, il est. Eh bah, il y a du monde ici. Pas de soucis. Pas de soucis. Merci. Ok. Oh, je vais étranger d'abord. Monsieur Gizmo. Hein? Attendez, les gars, ça va freeze, c'est normal. Ah, c'est pas.
Ah bah bon anniversaire Teiko, félicitations. Allez, joyeux anniversaire à toute la chaîne de Teiko. Allez, bon anniversaire mon Teiko. Alors, alors, Alexis, comment tu t'appelles toi? Alexis Matas. C'est ce que je lui ai dit. Ah, Alexis Matas. Je pense que ah, ça pourrait le premier ici. Pour l'instant, il a été placé en libération conditionnelle. Okay. Dans l'attente de son jugement, par contre, ça guère pour. Ah ouais. Et pas son jugement. Alors, dites-moi tout. Alors, peut-être que ça. Ça va pas, ça va pas. Enfin, voilà. Donc du coup, pour l'instant, moi, je peux rien faire pour vous. L'enquête, elle est toujours en cours et la plainte, elle est bon. Toujours déposée. Ça va pas, ça va pas. Vous renvoyez vers lui, s'il refuse encore de vous payer, là, ça sera un problème pour lui. Parce que normalement, il était censé vous payer aujourd'hui. Alors, Alexis. Monsieur, vous n'êtes pas ça. Matas. Ouais. Voilà. Alors, j'ai reçu de Cobraline, on se rend bien. Est-ce que tu es déjà connu? Ah ouais. Hein? Pourquoi? T'as déjà été arrêté ou pas? Ah non, non, jamais, c'est ma première. Oh, c'est la première! Oh, mais ça va être mignon alors! Alors, Alexis Matas. Bonjour, messieurs. Essayez de demander aux gens de parler le moins fort dans la BA, s'il vous plaît. J'aimerais savoir où est-ce qu'on est par rapport à l'ADC, parce qu'apparemment, je viens d'apprendre que notre PDG venait d'être arrêté par vous-même. Ouais, tout à fait. J'aimerais savoir ce qu'on est par rapport à l'ADC, si mes hommes. Est-ce que tous ceux qui sont dans la BA pourraient parler en sens, s'il vous plaît? C'est compliqué d'entendre. Je suis en sécurité, en sachant que je suis le seul gradé de par rapport à. Alors, les gars, par rapport au PDG. Il y a un avocat dans. Alors, transport et détention de stupéfiants, ok? Ouais, ouais. Ça, c'est pas mon problème. Monsieur Gizmo, il a travaillé. De divers, c'est où le mec que j'ai abattu station service là? Il a démissionné, vous savez pour quelle raison il a démissionné? Ça me regarde pas, monsieur. Moi, je. Ah bah oui, il vient. Allô? Il vient déposer plainte pour son salaire, il a pas reçu son salaire. Ouais, bah, de toute façon, l'ADC elle-même a porté. Je sais pas. Ok. Bah oui, monsieur. Vous êtes qui, monsieur? Comment ça, pardon? Vous étiez 5 sur zone, me dites pas que vous savez pas où est le putain de pack que j'ai abattu? Ici, pourquoi tu souffles? Mais il était habillé comment? Bah, comme les autres en noir. Celui qui est en train d'accoucher, il peut. Le propriétaire du véhicule que vous avez. Alors. Normalement saisi. À Sofia, c'est pas. Alors, est-ce que tu connais ton numéro de téléphone? Non. Ah. Je suis en train de. Ça, c'est embêtant. C'est embêtant ça. Et voyez ça avec. Cobra, je vais essayer de. Regarde ton numéro de téléphone. Et trouvez-moi ce mec là. S'il est mort, je peux savoir qu'il est mort. Les 06. Ouais. 55. Qui c'est le CPA qui avait les photos là? 09. Follet. 45-52. Ok. Oh, je te laisse détacher, hein, t'es gentil toi. Non. Alors, monsieur. Quoi? Non? C'est pas gentil? Bah ouais, c'est ça en fait. T'es un gentil. J'aime bien en plus. Alors, il est actuellement 22h32. Ok? Et nous sommes le 3. Voilà, détention du stupéfiant. Vous avez un avocat? Vous voulez un avocat? Que vous devez payer. Vous voulez un avocat? Tu veux manger? Tu veux boire? Ouais, je veux bien manger et boire. Un petit donut? Pas possible que vous déclenchez. Ouais, allez. Un petit donut. Un petit donut? Un petit donut. Un petit donut? Ouais, ouais. Un petit donut. Merci. Un petit donut? Un petit donut. Allez, c'est parti. Ok, donc, à remplir. Donc, je vais me trouver. Au volant. De mon camion, c'est ça. Qui était. Qui était chargé de 104 pierres de méta-amphétamine. Et 12 sur moi-même. Hein. C'est ça. J'ai demandé. Alors là, ça va être drôle. À la police. J'ai demandé. À trois rebelles, à trois hommes équipés d'armes, de m'escorter. En réalité, il s'agissait de la police. Voilà. Je reconnais les faits qui sont difficiles
qui sont difficiles à contredire. Voilà, nickel. C'est bon, ça te va? Ça te va? Mike, tu reçois? Je déplace l'hélicoptère. Allez. Sur le toit. Tiens, tu signes en bas à droite. Voilà, nickel. Du coup, mon général, il a été, il est mort avant que la sécu puisse l'avoir. Ok, allez, je te présente devant, allez, je te remonte, je te remonte, tu remets les mains sur la tête, tu me tournes le dos s'il te plaît. Hop, je te présente devant le... escorté, hop. Au moins, je suis unique. Hein. Ouais, du coup, c'est ça. Ah oui, toi, t'es unique. C'est pour ça que je t'aime bien, en fait. Toi, ouais. Qu'est-ce bonbon, toi. Hein. C'est pour ça que je t'aime bien. Le ministre, il est où? Il est pas là. C'est quoi, monsieur, là? À tous de DD, c'est normal qu'il y ait un civil à côté de l'hélico, là. Il y a bien noir. Oui. Est-ce que le ministre est quelque part? Je te laisse là en attendant. D'ailleurs, Dédé, je peux te parler de petites. De... Ah, j'ai pas le temps, les gars, faut traiter les dossiers d'abord, après on se parle. Pour information, les portes doivent toujours être fermées. Y'a pas de règle même pour une tentative de tâche. Alors, je vous dis, l'hélico et la voiture, ils arrivent, je leur fais monsieur, écartez-vous gentiment, on a un. Monsieur le ministre? Non, j'ai Cédric, j'ai besoin. Dédé, excuse-moi. Ouais. Il fait, machin. Ouais, j'ai bien compris. Tiens, tu vois le mec en haut dans le bureau là? Ouais. Alexis Matas, transport de méthamphétamine, 112 cristal. T'as pris aucun... photo? Ouais, non, j'ai en vidéo. Ah, super. Donc voilà. En fait, on l'a croisé et il m'a demandé de l'escorter au dealer pour vendre sa méthamphétamine. Bon. Donc voilà. Si on le fait, c'est super. Donc voilà, il est en garde à vue, le dossier est fait, il n'y a plus qu'à dire combien. Et... Il l'a relâché ou pas, c'est ça. Il n'y a pas de casier, hein. Pas connu. Ouais, on peut le prendre à la prison. Attends, bon, je demande au marshal de venir. Ouais. Il a disparu. Non, si, il y a le collègue, le monsieur. Il a été amendé, lui, ou pas? Il a disparu. Justement, le collègue, c'est en fait. Vous avez enregistré toutes les conversations, c'est bon? Ah oui, moi j'ai tout. Moi j'ai tout. Monsieur, je peux parler à vos supérieurs parce que le monsieur qui m'a dit là, il m'a dit vous devez après, parler eux, à. Eux, ils ont rien fait. Hein. Eux, moi j'ai rien entendu. Hein. Pardon. Attendez, monsieur, vous pouvez juste me dire c'est quoi, d'où elle vient cette amende, monsieur? Tu peux me dire la facture, s'il te plaît? Port d'équipement illégal. Ok, d'accord, bon, bah dites-moi, faites-moi un petit appui parce que la fois je vais faire naguer. Pendant prohibé, équipement illégal, tentative de meurtre. Mais en fait, c'est 500 000, mais j'ai pas les 500 000. Allez-y, partez. Tu vas m'en recul, allez-y. Et mon recul. Allez-y, partez tous. C'est vous qui vous ont changé de véhicule. Voilà, partez tous. Mais comment? Allez, on descend, là, c'est en bas, tu vas où là? Tu descends en bas, c'est en bas. Je sais pas, mais je vais descendre, mais vous bloquez. Ah, tu demandes à la personne de te laisser passer. Voilà. Je crois qu'il est nouveau dans la baie, il connaît pas trop. Il est sorti, qui a dit à son... Il connaît que les toilettes, lui, je pense. Et fait en sorte que les... Bon, il descend l'autre, là. Allez, hop, voilà. Non, c'est bon? Non, je vais t'expliquer, c'est bon, c'est une question. Pour toi, c'est une question. J'ai des civils avec des armes dans le dos qui se baladent, c'est normal ou pas? Non, c'est pas normal. On a besoin de toi. Le médecin qui est là, hyperbétique, le mec il est avocat, il vient ici habillé en médecin pour représenter les mecs qui ont tabassé son général. Il y a pas de conflit d'intérêt. Tout va bien. C'est quoi ce délire là? Parce que je ne peux pas m'habiller. Je m'en fous, je m'en fous. On peut parler moins fort sur la. S'il vous plaît, la galère. Pour rien à cause de vous, merci. Alors là, j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Bon, on verra ça plus tard. Très sincèrement, c'est n'importe quoi, les gars. Non, t'inquiète, il m'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai été libéré. J'étais pas en cours. Hein? Ça va ou quoi? Bah oui, très bien. Là, c'est le bordel. Oui, c'est un peu le bordel là. Il y en a partout. J'ai pas eu le temps de poser la question. J'ai plus d'essence, Mike, faut en remettre. Sa gueule, quand même. Non, ça fait deux tours. Attendez. Ils vont se foutre sur la gueule. Je suis toujours content. La même chose, s'il vous plaît. Ça fait combien de temps que t'es là?
voir les pecs, toujours aussi gonflé ou quoi? Ouais, tu es toujours quoi? Ah bah, toujours. Ah, vas-y, touche. Tate, impeccable. Combien de développés couchés aujourd'hui? 18. Ah! Avec 150 kilos. Ah oui, 150 kilos à franc. Normal, la congestion. Toujours la congestion. Ouais. Du coup, ça fait crack et j'ai pas compris. Ah oui, ouais. J'arrive, hein, j'arrive, fiston, t'inquiète. On arrive, hein, t'inquiète. On arrive, t'inquiète. Mon émissaire. Ouais. Là, il y a un groupe de 10 personnes qui viennent d'arriver au guichet. Ils veulent porter plainte pour vice de procédure, arrestation abusive. Ils sont habillés comment? Fondamentalement, tout en noir, avec des sacs noirs et juste un foulard autour du... Ouais, bah c'est ceux qui ont été en garde à vue tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ils veulent venir se plaindre à ce propos. Moi, je suis déjà sur une affaire. Bah, moi aussi, moi je... Juste, et puis ils veulent pas... Enfin, genre, je sais même pas où est le PJ. J'arrive pas à le croire. Il est là-haut. Il est dans les cellules, là-haut. Ah putain, c'est lui que j'entends. Ouais. Il est en train de s'engueuler avec l'avocat qui les a libérés. C'est qui les deux... Des clics pour casquette. Deux qui sont info sur de... Les deux qui sont les deux qui sont venus aider. Ok, c'est bon, j'ai la réponse. J'ai sorti un hélicoptère, voilà. Les gars. C'est simple. Au cas où, casquette. Serra 2. Casquette et Bibi. Ok, je transmets à eux. Ok, on a un mec qui s'est fait passer pour un otage. Là qu'on a chopé. Hmm. Le mec qui se faisait passer pour un otage, je viens d'avoir la confirmation d'un employé qu'ils ont jamais eu d'intérimaire ou de civil avec eux au niveau de la vente quand ils sont fait prendre en otage. D'accord. Il clame être un intérimaire, qui connaît pas les noms de la oil. Il est à poil, mais comme de par hasard, dans le véhicule, il y avait l'équipement pour un mec, genre tenue, gilet, tout le bordel. Je vais m'en occuper. Vous sortez de là, s'il vous plaît. On n'a plus rien à faire ici. Allez. Pour l'instant, vous sortez de là. L'accueil est fermé. On a trop de personnes. Le monsieur juste derrière vous vient de vous dire l'inverse. Ah ouais. Bah oui, c'est ça chauffe. Ah bah parfait. Voilà, comme ça vous pouvez rester tranquille. Vous avez de quoi manger et boire au moins. Sortez. Ok. Vous m'aurez pas de faim ou de soin. On a vu ton visage. On partira pas. Pierre, vous criez très fort. Vous avez fermé la porte des toilettes. Allez, va passer sur le bureau, toi. Allez. Excuse-moi. Attends, hein. Pas fait exprès, hein. Attends. Ouais, c'est bon, j'arrive. Ça serait une idée. Faut trouver quelqu'un, là, parce que, bon, entre le ministre qui a fait ça... Ouais, mais vous êtes tous beaux gosses, hein. Ah, il y a ta voiture aussi à récupérer. Il doit nous rendre la voiture, vu qu'on est en état d'arrestation. Ouais. Un mec qui insultait les collègues en bas là dans les box, je l'ai pas récupéré, mais il dit qu'il insultait dans son personnage à PF1. Ah, Seb Amo et Stefano Platino, c'est ça? Non, ça c'est les autres que j'ai pas ban. Les ah. Que j'ai ban, c'est Max. Ouais, j'ai entendu enculé, fils de pute et tout ça. Là. Ah, ils étaient comme ça? Ouais. Et ah, ça m'a dit en plus. Ouais, mais je savais pas que c'était un fait dans le règlement. Ah, ouais, d'accord. Le règlement, il a fait vite fait quoi. Ouais, vite fait, il l'a pas lu quoi. Voilà, pour ça, lui, je lui dis, ouais, tu te démerdes avec un admin. Ouais, bah, t'inquiète, s'il a un bon droit, il n'y a pas de soucis. Par contre. Là, je te attendez. Ah, bah, vas-y, le pote. Hop. Bon, monsieur le général, votre déposition a été prise, c'est bon? Monsieur le général. Monsieur le général. Votre déposition, elle a été prise, c'est bon? Non, parce que du coup, ils ont été relâchés. Bah, à cause de l'avocat? Ouais. Hein? Ouais, du coup, ouais, c'est ça. Ah, super, bravo. Il travaille pour vous, c'est ça? Bah, il est dans la sécurité civile, ouais. Ah, ouais, d'accord, donc il défend des criminels et passe au général. Ouais, ouais, c'est pour ça, c'est... Je me suis étonné quand il est arrivé, j'ai fait, mais par contre. Bah, non, en fait. Ah, ouais, bah, ouais, c'est sympa. Donc, ouais, bah, voilà. Sympa, dis donc. Bah, sympa pour un gars de la sécurité civile qui est avocat, qui libère les gens qui l'ont agressé. Bah, venez, je vais prendre votre plainte. Hein. Venez, moi je vais prendre votre plainte. Venez. Ensuite, il me dit qu'en fait, il travaille pas avec. Ouais, ouais, mais je m'en fous. Moi je vais. Venez. C'est le bordel là. Ça bug. C'est moi ou c'est le bordel? Le mec vient en avocat habillé en. Donnez-moi une arme. Habillé en. Donnez-moi une arme.
en tenue de cérémonie de médecin, il vient, c'est l'avocat, machin, ta. Il commence à dire vu qu'on a pas cité les droits, patati patata. Ouais, allez, viens, je vais te prendre ta disposition. Ah merde, j'ai pas d'ordinateur là, c'est de l'autre côté. Putain. Lui, il nous dit qu'il était intérimaire un coup, et puis après il nous dit qu'il était pas intérimaire, il travaillait pour lui. Bref, du coup, j'étais pas intérimaire. Quoi, tu voyais Allez, viens. Mettez-vous là, hop, toi je te libère. Alors, mon petit Alexis, aujourd'hui c'est un rappel à la loi, t'as de la chance. Ok ? Oh là là, waouh, super. Ouais, tu peux me faire la bise, allez, fais-moi la bise. Ouais, allez. Merci, Germain, allez, à plus tard. Il est juste là. Allez, viens. Allez, viens, Alexis. Ouais, viens, Alex. Ok. Viens. Allez, voilà, tu descends les escaliers. Et je te dis pas à bientôt, j'espère que tu vas tomber dans le légal. Inch'Allah. Bon, allez, Taylor, c'est parti. Hop, ensemble. Je m'assois, j'ai un ordinateur. Un peu le bordel, hein. Excuse-nous. Alors attends, je recoupe toutes mes radios. Ouais. Ça va pas, non. Ça va pas du tout. J'ai perdu 1 million là. Ouais, du coup, qu'est-ce que vous voulez, venez vers moi, s'il vous plaît. Comment? Alors attends, bouge pas. Merci comment Gbis, merci à toi d'avoir follow la chaîne, merci beaucoup de nous avoir rejoint. Tu peux faire prendre l'exclamation Discord et YouTube pour nous rejoindre, pour avoir les notifications en direct. Merci beaucoup. Alors, Taylor, tu m'entends? Ouais. Nom de l'enquête, enquête de flagrance. Ensuite, nom de la victime, Taylor, et ton nom c'est Williams, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Alors, description, dépôt de plainte. Donc, violence, c'est ça? Violence, menottage. Et qu'est-ce qu'il y a avec d'autres? Menottage. Tatane, serflex, menace avec des armes. Et puis voilà. Menace avec armes. Ok, nickel. Je valide. Hop là. Tac. Tu m'entends encore là? Ouais. Nickel. Nouveau PV. Hop, dépôt de plainte. Titre du PV. Plainte, victime. C'est l'émissaire qui ouin. Taylor Williams. Ok, ce jour, donc le 03-06-2019, je me dirigeais, c'est ça? Ouais. Vers Molos. C'est oui, ça? Lorsque plusieurs individus, c'est ça? Alors, combien à peu près? J'étais déjà arrivé à Molos. Hein. Ah ouais. Ouais, je me dirigeais à Molos. Une fois en ville. Ouais, vas-y, je t'écoute et je tape en même temps. C'est parti. Ouais, mais du coup, j'étais parti soigner du coup un de leurs collègues, des gens qui étaient là. Ah oui. Donc, ouais. Donc, je le soigne, etc. Il n'y a pas de problème, il se relève tranquillement. Et avant que je reparte, du coup, il me propose une offre. Il me propose une offre, c'est de racheter mon âme pour sauver leur dieu. Voilà, c'est déjà. Ah. Ok. Donc il me propose de me donner mon âme à leur dieu. C'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, ils m'ont proposé de me racheter mon âme. Comment aller pour s'appeler? Une fois que je serai mort, etc. Comme ça, leur âme, elle leur appartient. Pour aider leur dieu. Donc, il me propose de me racheter mon âme une fois mort. Retirer l'oncle. Il me l'a racheté et alors après. Le cobra lit pour ce bel. Grand smet. Est-ce que vous avez besoin de cobra sur votre position? Ouais. Pas pour le moment, je vous appelle si besoin. Ensuite. C'est reçu. Ensuite, du coup, je refuse, etc. Donc, ils essayent de monter le fond, etc. Donc, je refuse l'offre. Un, deux, quoi. Voilà, ensuite. La police. Qu'est-ce que. Oui, du coup, après, ils essayent de me convaincre ça, en discutant, etc. Ça faisait 40 minutes qu'on était dans une série, refuse et toujours. De 40 minutes, on nous a dit. Vous ouais. Ensuite. Ouais, merde. Ouais.
si du coup ils me demandent combien est-ce que nous sommes en service, donc je leur réponds à ce moment-là combien est-ce qu'on est en service, et il y en a un, deux qui s'éloigne. Mm-hmm. Je le vois parler à la radio de loin. Ouais. Et il revient et il me met directement. Ouais. Et me note par la suite. Alors un des individus s'éloigne du groupe. Enchanté. En parlant à la radio. Tout immédiatement. Immédiatement. Un des individus. Alors c'est celui qui est parti, qui est revenu et qui m'a tatané. Me frappe. Hein. Oui. Je me retrouve au sol. Au sol, voilà. Et il me noter juste après. Et il me note. Non mais j'arrive. Papa lead, voilà. Vector lead. Ensuite. Du coup, une fois me noter, il me retire tout ce qui est moyen de communication, donc téléphone, GPS, radio, etc. Ils m'ont retiré tous mes moyens de... Papa lead, de Viper lead. De mon indication, ouais. Parle pour lui. Là, je viens d'intercepter un pack avec un camion rempli de feuilles de coca. Je me dirige vers la BA pour vous poser tout ça. Il me demande toujours... Bien fait. Du coup, mon âme, etc., tout en pointant des armes sur la tête. Ok. Voilà, il y en a même un du coup qui a tiré un coup de. Qui a tiré un coup. Un des individus a tiré en l'air. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite. Du coup, le monsieur qui a tiré en l'air, il part, comment dire, à l'ATM qui était juste à côté, retiré 200 000. Ouais. Ouais, du coup, en fait, lui s'est énervé parce qu'il a déplacé des mecs. Ouais. Il me donne les 200 000. Et du coup, me demande de prendre du coup le schéma blanc que j'ai là. Des menottes. Il me donne l'argent. Il me donne du coup les 200 000. Mmh. Je connais le prénom de la personne, putain, mais je peux pas rentrer ce qu'on dit. Je pose au sol le schéma là, que j'ai actuellement sur moi. Mmh. Menace, du coup, il me demande de le prendre toujours en étant menacé avec des armes, etc. Tout en me menaçant. Avec des armes. Ouais, il me demande. A new follower. De le mettre, c'est ça? Ouais, c'est ça de le prendre. Ouais. Bon, j'accepte pas vraiment du coup, mais il retire un coup en l'air et je le mets directement. N'acceptant pas, il retire en l'air, ouais. Donc, après ça, mais du coup, je le mets, je le garde et du coup, il m'explique que. Du coup, j'ai accepté leur contrat ou je sais pas quoi, et que du coup, mon âme en soi leur appartient, et du coup, elle sera utile. Et que cela voulait dire que mon âme leur appartient. Ouais. Okay. En gros, qu'ils peuvent s'en servir une fois que je serai mort ou quoi que ce soit. Alors, écoute, mon Clément, je crois que j'ai plus besoin parce que là. Comment dire? Et eux ils ont dit que en gros ils n'influeraient en rien sur ma vie ou quoi que ce soit, sur quand est-ce que je mourrais ou quoi que ce soit, ou ils n'influeraient en rien là-dessus. Voilà. Mais que si jamais j'enlevais le schémag, du coup j'aurais des problèmes, que, du coup on viendrait me chercher ou je sais pas quoi. Si j'enlève le schéma, donc si j'enlève le schéma, en gros, ils me menacent de venir me chercher. Mais vu que eux se définissent comme pacifiques, ils ont dit que c'était d'autres personnes qui allaient s'occuper de moi. Bonjour, qu'est-ce qu'il faut dire? Et il m'informe qu'ils sont pacifistes. Hein. Vu qu'ils sont pacifistes, si j'enlève le schéma, c'est pas eux qui vont s'occuper de moi, mais d'autres personnes.
Donc si j'ai le chemin qui me menace de venir me chercher, il m'informe qu'ils sont passés nuit, et si je ne porte plus le schémag, d'autres personnes, viendraient me chercher de force. Hein. Ouais, ou s'occuper de moi. Enfin, et s'occuper de moi. Ok. Ah, bon, du coup, bon, niveau pacifisme comme groupe. Moi, c'est zéro. Hein. Tu déposes plainte ou pas? De quoi? Tu déposes plainte? Ouais. Monsieur les marshals, bonjour. Je déposes plainte et demande la somme de combien? Ah, personnellement, aucune idée, j'ai pas besoin d'avoir une somme. Bon. Soit tant que eux sont jugés par rapport à ça. Et à contre, c'est un dit, dit. Ok, c'est bon. Oui. J'ai appelé, j'ai envoyé un message à tous les avocats, donc c'était un message général. Bah, Claude a répondu, c'est pas pour donc ce n'est pas une faute à prendre envers lui. T'es de quelle famille? Bah, mes bureaux, c'est ma faute, pas moi. Je l'ai juste prévenu. J'ai envoyé un message général à tous les avocats. Je vous informe que les individus ont été libérés. Excuse-moi, moi je ne savais pas qu'ils étaient en... Malgré leur arrestation. Oui, mais moi, tu sais, à cause ça ne regarde pas de les regarder les fétiches. Voilà. Non, l'avocat, tu sais, c'est pas mon boulot. Monsieur, il y a un camion, il y a de la drogue. Claude, ouais, c'est le coco qui t'a dit. La Claude, comment Cordias. Ouais. Enfin, du coup, alors. Ah, du coup, le ministre vient de dire que c'était pas de la faute de l'avocat. Ouais, non, mais pas de soucis. Hop, je mets juste. C'est ma faute. Ok. Voilà. Donc, en fait, les mecs, ils étaient interpellés. Hein. Ils ont été interpellés par moi-même d'ailleurs, mais ils ont été libérés. Donc c'est pas normal. Et ils sont en bas, ils veulent déposer plainte pour abus policiers. Ouais, parce que apparemment, je sais pas. Donc t'as les noms. Faut être l'OPJ. J'ai des noms d'ailleurs. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah, voilà. Du coup ils nous ont transmis tous leurs noms là par message. Ah ouais, le numéro de téléphone pardon. Ah putain, j'ai tout ça encore. Alors il me faut modifier en tête. Hop. Alors je vous transmets les informations suivantes. Vas-y. Du coup moi j'ai un de leurs numéros de téléphone. Vas-y. Zéro. Alors, 06 15 ouais. 94 ouais. 54 ouais. 55 55 ouais. T'as le message? T'as un message de ce numéro ou pas? Oui. Est-ce que tu pourras le prendre en photo et m'envoyer plus tard? Ouais, j'en ai plein. C'est celui qui nous a demandé de venir et après celui qui a du coup pris mon nom, etc. Vas-y. Moi j'ai voulu faire un barbecue avec. J'ai pas son nom à lui, mais en tout cas voilà. J'ai ramené un petit peu de cocaïne. Tu m'enverras ça. Appel d'urgence. Hein. Et celui qui nous a demandé de venir. Ok. Et le numéro que tu vas me donner, c'est celui qui a demandé ton nom. Hein. Ouais, c'est celui qui m'a fait venir sur zone parce que du coup il y avait un blessé et après c'est celui ouais, qui a pris mes informations, qui a noté mon nom, prénom, mon numéro de téléphone. Ça, tout ça. Vas-y, c'est quoi ce numéro? Non, je viens de te le donner. Ah, c'est le même? Ok, plus demande de mes informations personnelles. T'as des noms, toi? Tous ceux qui étaient là, tous ceux qui sont présents, je vais leur mettre. Ah bah vas-y, je t'écoute. Je les ai envoyés pour leur certificat médical de je sais pas quoi. Ah ouais, bah vas-y. Alors, il s'agit... Alors, nous avons monsieur Odor Alvard. Odor, comment ça s'écrit Alvard? Alors, H-A... Ouais. 2 L... Alors, H-A 2 L... Et A-R-D. A-R... Alors, H-A 2 L... V-A-R-D. Ah, V-A-R-D, je t'entends mal sur ça. Ensuite. Ah oui, mieux. Ouais. Ensuite, nous avons monsieur Kelvin Deans. Kelvin Deans, comment ça s'écrit? D-E-E-N-S. Ouais. D-E-E-N-S, ok. Ouais. Ensuite. Monsieur Dayton Cooper. Dayton. D-A-Y-T-O-N. Ok, c'est bon. Cooper, ouais, Cooper. Okay. Nous avons monsieur Mike Balboa. Okay.
M-I-C-K-E-B-A-L-B-O-A. Ok. Là, bon, monsieur Joe McGarrett. Joe McGarrett. Ok. Donc, la photo, c'est... 2-R-E-R-E-T à la fin, c'est ça? M-C-G-A-2-R-E-2-T. Ok. Ensuite, nous avons monsieur Jérémy Creed. Jérémy. Creed. C-R-E-E-D. Ok. Après, nous avons monsieur N'Golo Dogolo. N'Golo Dogolo. Dogolo. Ok. N apostrophe G O L O et D O G O L O. D O G O L O, ok. Ouais. Ensuite. Et pour l'instant c'est tout. Ah bah c'est déjà pas mal. Et voilà. Également, d'autres informations Non. Pas en tout cas pas comme ça. Pas comme ça. Non, je sais que là parmi la liste des de ceux qui étaient présents à la BA, il y en a un qui n'était plus là par rapport à quand. Par rapport à Molos. Ouais. Il y en a un entre deux qui est parti. Bon, il y en a plein qui sont arrivés entre deux parce qu'ils étaient que 5 sur Molos. Ouais. Et après, bon, ils m'ont dit au début qu'ils traînaient souvent sur Molos. Ouais. Et voilà, du coup, ils cherchent plein d'âmes de. T'as un numéro de téléphone ou pas? Moi. Ouais, toi. Ouais. Ah ouais, je peux te donner ça. En plus, Toto, vas-y. Alors du coup mon numéro c'est 06 34 ouais. 81 ouais. 04 ouais. 31 06 34 81 04 c'est bon, 31. C'est fait. Donc sinon, ouais, pas de soucis, officier en charge. Ah, violence, mais otage. Bon, on peut appeler ça légèrement prise d'otage même. Excuse-moi. Ouais, quelque simple question. Instant. Le gars qui est là-bas, il dit qu'il a pas, qu'on lui a pas cité les droits, mais pourtant sur le dossier, on va. Voilà, c'est marqué que vous avez ouvert. On a bien cité les droits. Vous allez et pouvoir inviter toute la gendarmerie. Bon, bah voilà, t'es là, c'est bon. Ok. Moi, je pense qu'ils les ont cités. Bon, on te tient au courant dès qu'il y a un problème. Quoi ah, là. On te tient au courant dès qu'on les a. Hein? Ok, ça va. Je te laisse sortir par derrière avec ton véhicule. Désolé à tous, c'était un peu le bordel à la BA ce soir. Du coup de pouvoir sortir un véhicule. Ouais, bah t'inquiète, bon, tu vas pouvoir sortir la salle. Ah oui, c'est vrai, j'ai le mien, mais je suis venu en véhicule, c'est bon. Ah bah nickel. Bon bah allez, à plus, t'es dehors. Ah bah merci bien, écoutez, bonne journée. Bah de rien, à plus, ciao. Bon, c'est un peu le bordel là. Oui, personnellement, oui. Là, le groupe de Odor, il m'en a mis un peu entre les insultes qui fusaient les droite à gauche. Ouais. Bah écoute, vous voyez ça. Seb Machin. Hein? Seb Mano, c'est celui qui faisait le HR. Il en a continué. Il a continué pendant l'hélicoptère, il a continué quand on l'a posé et quand on l'a. C'est bon, c'est bon. Donc voilà. Ouais, c'est un peu le bordel. Ouais, bon, donc, ok, ça marche. La loi, mais ça. Tu sais quoi? Et... Oui, oui, bon. Ils sont partis de toute façon. Bon, next. C'est passé quoi avec Taylor? Bah, il s'est fait. Il s'est fait pris en otage. Voilà. Mais là, c'est tout ça. Donc voilà. Le bordel là. Ouais, ouais. C'est. Oh. On devait avoir quoi, 40-50 personnes dans la BA là. Ouais, je pense à peu près. Bon, allez, on bouge. Ouais, on continue. Ouais, ils sont où les autres? Ah, bah, ils sont quand même prendre des membres de la sécurité civile. C'est ça. Pas très intelligent en fait. Allez, on bouge. Allez, on bouge. Hop. Allez, de Sierra, on bouge. T'as pas de choix, mon pote. C'est tout. Ah bah j'ai pas le choix, on peut. C'est bien pris, car on pense que c'est un les flics ont toujours raison et nous on va fermer notre putain de gueule comme toujours, voilà. Je souhaiterais avoir l'autorisation et l'accord pour placer des. Non, mais c'est pas une question de baiser, c'est Canal 6. On affirme des trucs qui sont même pas vrais, on affirme des trucs qui sont même pas vrais. Nick pour casquette. Et après, c'est le genre de personne qui est censé nous défendre et là ils vont mettre un innocent en prison, bah c'est bien, c'est pas grave, y'a pas de soucis.
Désolé hein, pour le temps passé sur les procédures, mais bon. Là, tu vois, je cherchais mon réel. Le bordel, non? Oh, mais énorme. En plus, avec, avec le groupe, là, le nouveau groupe. Quel nouveau groupe? Ah, ceux qu'on vient de choper, là. Ceux à bière noire. Ils veulent manger des âmes. Ah, ceux qui ont des dieux qui veulent les âmes, là. Mmh. Ouais. Ouais. C'est pas très discret, on peut faire long feu. Hein, oh. Hein? Ouais, bah oui. On peut faire long feu, parce que là, ils sont déjà grillés. On est déjà tout leur mort. Ah bah oui, on a déjà tout le groupe et on sait déjà leur manière d'opérer. Il y a un mec chevé qui me suit, un mec un peu. Avec des jumelles, j'ai peur. Oh, on peut aller voir, c'est où? Ce serait marrant de choper le gars qui le regarde en flag. On est au 37. Oh ouais, mais c'est le cavalier en même temps. Ouais, ça reçu. Pour info, l'appel qu'on a reçu, ça va là. Je l'appel, le sécurité civile, numéro 15-3, il reçoit aussi des menaces de mort. De quoi? Attends, apparemment. Qui reçoit des menaces de mort? Quelqu'un a volé des apparemment, quelqu'un qui a volé un camion sur Oreo Castro et il y a eu des menaces de mort. Tu veux qu'on aille avec les unités? Ouais. Pour Sira, on fait quoi? On va aller avec les autres unités qui vont à Oreo Castro pour voir l'appel de la sécurité civile. C'est bien pris. A new follower. Merci Gabi, merci beaucoup de ton follow et bienvenue. Ah, t'es connerie. Putain, vous m'avez donné des idées aussi les gars. Ah là là, pas très fut de fuite hein, quand même. De Papa Leader pour le général, parlez. Allez, écoute. Je demande un bracelet électronique pour un monsieur qui est en ma présence actuellement, qui a voilà, de multiples et multiples motifs d'interpellation, qui ne peut absolument rien payer. Ministre. La prison est enfermée, il faudra un bracelet sur ce monsieur pour le rattraper ultérieurement. Reçu, c'est avec le ministre. Le ministre, il est parti, il m'a dit de voir ça avec vous. Reçu, bah préviens le JA d'abord, et je mets après. Reçu. Mmh. Tu vas reprendre quand ton perso de bandit? Je sais pas, on verra. Après la mise à jour, bientôt. Pourquoi tu vas en faire partie? Ah, quel match! Voilà, les gens ils se réveillent. La surprise! Il y aura quoi comme arme? Il y aura quoi comme arme? Il n'y aura plus d'armes, c'est terminé. Il y aura une matraque et un couteau. Non, pas pour l'instant.
si vous le dites. Bientôt. On n'a pas d'armes. Oh bah écoute, nickel. Non, il y aura une mise à jour très prochainement. Sierra pour CPA, info sur l'appel de Raul Castro. C'est ok, on a un mec qui vole un camion et lorsqu'il nous donne des infos, c'est réglé. C'est reçu, vous avez pas besoin de nous du coup. Non, on a pas de faire pour intervenir. C'est reçu. Sierra, du coup, on continue sur route principale, on va se balader un peu vers des P11, des Gades, tout ça. Est-ce que c'est reçu? De Doc pour Dimers. Ah, écoute. Si tu veux être en communication plus rapide avec eux, passe par la longue, hein. Avec eux. Ah ouais, ça va être compliqué. Hein. C'est pas la banque, c'est la police. Non, mais il parle de l'autre truc, je pense. Ouais, il parle de l'autre truc, Yori, pardon. Oh, le bordel ce soir, hein. Ah, d'accord. Ok, je vois. Ah non, c'est pas vide. Tu racontes que c'est vide. Il y a du monde hein, partout. Je comprends pas ce qui se passe. Hein. Mouvementé la soirée. Hein. Ouais. Putain, j'ai mal au crâne, elle m'a donné mal au crâne à la BA. 40 personnes à la BA qui disent de la merde, ça m'a donné mal au crâne. Ouais. Qu'est-ce qu'il a insulté en fait lui? Je sais pas. Apparemment, il y en a plusieurs qui ont insulté. On a un qui a pris un billet d'avion en VIP pour autre part. Ouais. Apparemment, il y en a d'autres. Faut voir que le sous-lieutenant le pèse. Faudra qu'on mette à jour la fiche de ce. Je sais pas quoi là. Je sais pas comment on va l'appeler ce groupe là. Lequel? Le groupe là des. Ah ouais, le groupe des. Ah oh, putain! Oh, t'as failli nous rentrer dedans là. Bonjour. T'as failli nous rentrer dedans là. Très bien. Putain, un peu plus, tu pétais ma bagnole, con. Tu fais quoi dans le coin? Putain.
Ah bah rien, je me balade. Ah bah ouais, bah moi aussi je me balade, t'as fait casser ma bagnole là. Ah bon? Bah ouais, enfin, attention. Ah bah putain, il a cassé ma bagnole en plus. Nickel. Vous savez c'est qui l'hélico là? Ouais. C'est qui? C'est les gens qui qui ont l'île en fait. Ils détiennent ce territoire. Tu sais ce qu'il y a là-bas ou quoi? Oh non. Eh bah attends. Quoi? Vous êtes pas des flics vous? Ah non. Pourquoi tu dis ça? Il y a la même voiture qui m'a arrêté tout à l'heure. Arrête. Pareil. Sérieux? Oula. Oula, dis oula. Ah bah, si tu dis oula, je te crois. Ouais, moi je te crois. Moi je te crois. Ouais, ah, écoute. Hein. Ouais, parce qu'il y a des flics en civil. Mais non, il n'y a pas de flics en civil ici. Oh garçon, pose-toi. Ouais, viens. On veut travailler, nous. On va se faire du fric. Il a pas envie de se poser tout à l'heure, il tourne. Bah ouais, mais bon, d'habitude, il se pose, il nous propose de travailler là. Ouais, ouais. Et vous, monsieur, vous n'aurez pas les véhicules à vendre? Si, vous avez quoi comme voiture? Ça dépend. Vous avez quoi comme voiture? Ça dépend ce que t'as. Qu'est-ce que tu veux comme voiture? On a un peu de tout. Là, franchement, j'avoue que je recherche bien une petite Ford Focus RS. Ah ouais, quelle couleur? Noir, toute noire. Toute noire? Attends, j'ai ça ou pas, moi? On peut aller voir. Attends, j'ai réfléchi. Attends, j'ai ma liste. Pardon, pas vous choisir. D'accord. Ford Focus RS. Bah non, je l'ai pas en fait. Moi, je l'ai en rose, désolé. Ah non, je l'ai pas. Oh non, elle est bleue. Non, elle est moi, elle est bleue. C'est difficile à vendre. Ouais, c'est clair. Hein. Oh, tu magouilles dans quoi, toi, un peu, toi? Tu magouilles dans quelque chose, toi? Ah non, rien du tout. Ah bah, je me suis fait attraper par la police, alors là, faut que je me calme. Sérieux? Ouais. Ah ouais. Ils m'ont attrapé avec un camion rempli de mètres. Ah ouais, ah ouais, t'es chaud toi. Oh putain, mais il faut faire gaffe. Hein. Ah bref, on a pas eu pas pris après. Putain, nous on a fait du cigare, on était tranquille. Hein. Ah bah j'ai joué, hein, j'ai perdu. Escalade 6. Il faut connaître les routes commerciales. Tiens, je te donne. Tiens, attends, je vais te donner mon truc, tu vois. Hop, mon sécateur à pavot, j'en ai plus besoin. Ton quoi? Je t'ai donné mon sécateur à pavot, regarde. Cobalt, est-ce que vous allez forfaiter? Vous avez besoin de renfort? Ah merde, et en plus, j'ai encore mon gilet, putain. Négatif. Non, on s'en fout, j'ai dit, tout de suite, ça, pas ça. Pas comme je t'ai dit, nous on est dans le pavot, dans le cigare. On va un peu de business, ce qui ramène un peu de business. Le pognon. Après, je te dis, il y a des routes commerciales. Les routes commerciales, c'est super pratique. En gros, c'est des routes. T'es sûr que les flics, ils y passent jamais. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Je te jure que ça fonctionne. Faut éviter, hein. Regarde, sur les 15 derniers jours... Oh là, il y a les flics, 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 il y a les flics. Merde. Bon, allez, à plus, mec. Je sais pas comment tu t'appelles. Ciao, Alexis. Allez, ciao, Alexis. Merde, il y a les condés qui arrivent. On va pas le baiser deux fois, lui. Hein. Il nous a pas reconnus, au défaut. C'est pas... non. Il a tapé la discute. Oula. Vas-y, vas-y. Oh. Tu sais à qui sont ces VL, les gars? Non, je sais pas du tout. Pourquoi tu veux les prendre? Ah, pourquoi pas? Bah vas-y, on fait ton plaisir. On va plaquer, si tu veux. Putain, c'est où qu'on replaque déjà? Un peu plus haut. C'est pas où on peut les replaquer. Mais si, là-haut, si, si, moi, c'est bon, là-haut, là-haut. Mais j'ai pas d'outil de crochetage. Vas-y, viens, on va en chercher. Allez. Vas-y, nous repérer toi déjà que les flics sont passés. Ah bah voilà. Super. Il va revenir. C'est le petit gars qu'on a chopé tout à l'heure avec la mèche. Ah ok. Il nous a,
il nous a pas reconnus. Pourtant j'avais mon gilet pare-balles, la même tenue, la même barbe, et le même VL. Et la même voix. Du coup, que faisons-nous? Bah, on va faire notre travail, les gars, si vous voulez faire. On se balade, écoute, et on cherche les méchants. À la place qu'il y avait là, il y avait des appels, comme quoi il y avait un type qui menaçait les autres avec des jumelles. Ah, bon, on va faire un tour. C'est bien pris. Oh, j'avais pas rien. C'est trop long, les gars. Oh, ah, est tombé. Ouais, c'est showtime, hein. J'aime bien ce petit jeune. Lequel, le gars en... Ouais, oui, là. Oh, il est pas méchant. Genre... Tu vois, il s'est fait gauler, il arrête, et là, ben là il va faire du civil, illégal. Oui. On se fait en vrai, j'en doute. Il va bien finir par refaire de la cocaïne sur le truc. Ou alors, c'est lui qui est en train de nous baiser, en fait, il nous a reconnus, mais il fait genre pas nous reconnaître. Bah ça se peut aussi. C'est ça hein. Je les ai vus du genre 5 fois dans la soirée. On est partout. Ouais. Non. Bah non, je... Denis Knick, on va voir le site, on va discuter avec un camion, voir ce qu'il fait. Pourquoi, qu'est-ce qu'il fait? Oh, juste voir. Bah pourquoi? Moi, je vais discuter un peu avec lui. Arrête-toi! 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 Ils veulent me braquer, aidez-moi! Mais non, je veux pas te braquer! Sors de la voiture, tu es rentré dans ma bagnole! Vas-y, arrête-toi! Bonjour, monsieur la police, ce monsieur nous est rentré dedans, on voulait faire un constat en fait! Recule, monsieur, reculez! Ouais, sortez! On l'a arrêté, le monsieur. Bon, monsieur nous a roulé, nous a foncé dedans, on voulait l'arrêter parce qu'il nous a abîmé le pare-choc. Bon, on va aller voir ça, on va aller voir ça. Merci. Venez avec moi. Quand j'ai vu que vous passiez, j'ai décidé de faire une marche arrière pour vous interpeller. Oui, ben c'est dangereux en même temps, votre marche arrière. Bon, ben merci bien, messieurs les policiers. Heureusement que vous êtes venus au bon moment. Ah là là. Ne braquez pas, vous collez pas à moi là. Bon, vous avez rien à craindre. T'as de la chance. Ah oui, j'ai de la chance, comme tu dis. Ouais. Putain, t'as de la chance, toi. Sinon, t'aurais payé mes réparations. T'aurais réparé mes réparations. Je te le dis. Oui, t'es gentil, c'est pour ça que tu me coupes. Regardez, là, il y a le truc défoncé, mais complètement défoncé. Regardez les pare-chocs, là. Les pare-chocs, là. C'est extraordinaire ce qu'il m'a fait, ce camion. Il n'y a plus de respect. Je pense même pas qu'il ait son permis de conduire, ce monsieur. Eh si, j'ai mon permis. Je viens d'acheter mon camion. Ah bah voilà, c'est son premier camion. C'est pour ça qu'il conduit si mal. Non, ce n'est pas mon premier camion. C'est pour ça que j'ai. Ma Mercedes toute neuve. Expliquez-moi, elle est faite. Alors moi je venais de la route qui est route principale et le monsieur il venait de la route de gauche là. Et il a traversé, il a tourné sans s'arrêter et hop on a dû faire un vite et je lui ai dit bah arrête pas on va faire un constat. Et là il a dit non je m'arrêterai jamais, il a continué tout droit et après vous êtes arrivé, il a dit qu'on allait le braquer alors que c'est pas vrai. Bah voyons. Vous venez fouiller notre véhicule, il n'y a rien dedans. Et vous, regardez, vous pouvez regarder, il n'y a aucune arme, il n'y a rien. Être ramassé des diamants pour faire de l'argent honnêtement, légalement, il n'y a aucun souci. Et ces deux messieurs m'ont collé derrière le camion, sont venus me klaxonner et me dire arrête-toi, ils m'ont coupé la route.
Et là, par chance, j'ai vu qu'un convoi de policiers est arrivé, donc j'ai klaxonné pour les premiers. Ils n'ont sans doute pas entendu, et j'ai décidé, pour vous interpeller, vu que j'ai vu qu'il y avait encore une voiture, de faire une marche arrière. Pour enfin avoir une chance de m'en tirer face à ces énergumènes étranges. Bon, ils sont pas armés. Non, ils sont pas armés, mais ils m'ont fait m'arrêter en plein milieu, et puis ils vous mentent. Donc moi, je me dis juste qu'ils sont étranges. Non, nous on n'est pas du genre à mentir, nous, monsieur l'agent. Nous on est des gens très honnêtes, nous on revient, de Kavala et on partait à la Oil Enterprise. Vous mentez pas. Non. Moi je mens pas. Alors, pare-choc est quand même abîmé, là. Il s'est passé quoi? Bah oui, regardez côté droit là. Regardez, côté droit. Moi je demande indemnisation, monsieur l'agent. Bah tout à fait, bah oui, c'est ça. Et puis quoi? On demande un dédommagement. Ouais, qui demande à être dédommagé. Ah, tout à fait. Ouais, je sais pas, donnez-leur un bacon et puis ça ira, je pense. Bah je vais pas en plus les payer. C'est ah bah si, de bah non, c'est... Mais écoute garçon, c'est toi qui nous a cassé le pare-choc et en plus on doit se la fermer, c'est quoi ça? Non, qu'est-ce que c'est que ces populations aujourd'hui? C'est vous qui l'avez cassé, alors le pare-choc, c'est pas moi. Non maîtrise du véhicule, 135 euros d'amende. Ah bah justement, voilà, 135 euros et je m'en vais. Oh là, attendez. Vous commencez pas à parler d'amour. Comment est-ce que vous policier? Non, je suis pas policier, mais vous êtes un policier. Comment vous êtes un policier camouflé? Nul n'est censé ignorer la loi. Ah voilà, ça doit être un policier camouflé. Ah, vous êtes un policier camouflé que je vous connais pas? T'es un bacu. Vous êtes un bacu? Qu'est-ce qu'il a posé par terre, le monsieur? Excusez-moi, c'est quoi ça? Regardez, c'est des armes qu'il a dans son sac à dos, monsieur, qui a traversé. Vous voyez que je raconte pas de bêtises. Il voulait, c'est lui qui voulait nous braquer, en fait. Un taser, c'est une arme de défense. Ah, et avec un fusil à pompe. Eh oui, j'ai une licence pour tout ça. Donc en plus, vous êtes permis de fouiller. Ah là. Bah oui, ça a dépassé là. Vous êtes honnête, qu'est-ce que vous faites derrière moi? Bon, allez, nous on en va parce que là, moi j'ai peur, monsieur l'agent. En fait, vous voyez, monsieur l'agent, depuis le départ, monsieur l'agent, c'est moi qui vous dis la vérité en fait. Parce que c'est lui qui voulait peut-être nous braquer. Ouais, là, pour l'instant, c'est lui qui dit la vérité. Hein. La vérité de quoi? Et lui, vous êtes armé, pas lui. Donc vous voyez, on raconte pas des conneries. Il est dans son sac peut-être. Non mais moi je l'ai fait. Ah bon? Ouais. Et son collègue, le sac à dos qu'il avait, il l'a plus, c'est étrange. Mais si, il l'a toujours le long de la cuisse. Regardez, il l'a le long de sa cuisse. Hein. Ouais. C'est pas un sac à dos qu'il a, c'est une sacoche. Voilà. Donc qui est le menteur? On se demande. Bon, allez, moi je m'en vais. Moi je trouve que vous avez un comportement bien curieux à fouiller dans mes affaires déjà. On a une même nouvelle mail. Alors que moi j'ai une licence. Je suis pas monté, j'ai une licence pour te conduire. J'ai un permis police aussi. Bah allez, monsieur, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pas les dédommager parce que ce monsieur a fouillé dans votre sac. Vous allez remonter dans votre camion, aller travailler, d'accord? Ouais, et j'aimerais récupérer mon matériel aussi. Il est où votre matériel? Bah je ne sais pas. C'est le matériel. Monsieur qui l'a pris. Qui ah non, non, moi je l'ai pas. Moi j'ai rien. Moi je l'ai pas. Regardez. Je veux le récupérer. Il y a un tas. Regardez dans mon sac. Regardez, il y a rien du tout. Transmet. Là il y a vol. Pardon. Pour manger en négoce. Ah, je sais pas, je vois pas. Hein. Ah oui, il y a pas. C'est bientôt fini. Hein, t'inquiète. Oui, il y a pas. Je raconte pas de bêtises. Fouillez-moi également, vous verrez que je ne les ai pas, donc je ne sais pas comment ils font pour cacher le matériel qu'ils ont sur eux. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a été englouti par le macadam ou quoi? Ah bah il a peut-être fondu avec le macadam brûlant, oui. Bah voyons, ça doit être avec les autres armes qu'ils ont habituellement. Bon allez, écoutez, je vais en rester là, je veux rien de savoir avec ce monsieur. De toute façon, donc moi je vous envie, monsieur le policier, ça vous dérange pas, et ça peut arranger tout le monde. Ce qui me dérange, c'est ces deux armes là, ils sont passés où? Ils étaient là, monsieur. Qu'ils ont en leur possession et qu'ils vous cachent à la vue de tout le monde, je sais pas comment ils font pour cacher, mais ils le font. Je sais pas du tout. C'est où? Ah, y'a plus rien là. Bon, en contrepartie. Mais... C'est bizarre quand même. Putain, c'est la mienne. Ouais, j'ai des tenues plongées. Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec des tenues plongées? Bah, des fois j'arrive de me baigner. Ouais, c'est des tenues plongées. Voilà. Si ça peut servir monsieur pour contrepayer tout ce qu'il a perdu dans le macadam. Ça vous dit pas? Moi je veux bien. Je vous dis pas un peu de plongée? Non, je veux juste récupérer mes armes. Ouais, c'est bon, avec là, je... garçon.
Ah, je peux pas t'aider parce que des fois ça disparaît aussi. Ah ouais, mais fallait pas fouiller dans mes affaires. Donc moi par contre en revanche je demande un dédommagement. Parce que c'est à cause de vous que je... Ah bah moi je dédommage... Oh, tu veux quoi comme dédommagement? Bah vous me remboursez la allez, somme c'est bon, que non, mais... m'ont coûté les armes. C'est bon, laisse-nous tranquille, t'as regardé ce que je t'ai mis dans ta poche? Bah, j'ai regardé. Rien regardé du tout. Eh bah regarde. Parce que vous mettez, vous prenez, vous remettez... Ouais, ouais, ça, c'est le prix du fusil, c'est très bien. Moi je sais que je t'ai mis un petit truc. Ouais, dans ta tu poche. M'as mis 20 000, c'est le prix du fusil. Et maintenant il manque le taser. J'ai mis 50 000, juste comme ça. Bah moi je vois 20 000, hein, c'est écrit. Hein. J'ai mis en deux fois. Alors? Alors Mario Bros? C'est 50 000 ou 20 000? C'est pas pareil, hein? Entre 20 000 et 50 000. C'est mélangé, moi en haut à droite. Ah bah voilà. Non, il y a marqué 50 000, on t'a donné 50 000. Ça s'amuse pour les autres. Des choses dans les poches, à l'armée. Ouais, breaker du dimanche. Breaker du dimanche! Ouais, c'est ça. Allez, tout le monde se sépare là. À cœur du dimanche. Fais gaffe la prochaine fois que tu casses mon pare-choc. Le cobra, je vous reçois. On est à la poursuite d'une Mercedes blanche, elle a cassé, elle a écrasé quelqu'un sur place. C'est bien reçu, vous voulez qu'on vous y roule? Mais ils achètent des tasers maintenant, les gens? Ah ouais, c'est légal les tasers. Putain, je suis là. Je te vois en travers. Oula. Non, c'est bon, c'est net. Là, j'ai des problèmes du cerveau. Tu me vois sur le toit? Ah non, là, je te vois voler. Oh. Ah. Ah, oui. Oula, oui. Là, des problèmes du cerveau. En cœur du dimanche. Père, c'est qu'il avait rien du tout. Hein? Ah ouais, c'est qu'il avait rien du tout. Si je fais lui. A new follower. Salut Eric, bienvenue à toi. Merci d'avoir follow la chaîne. Salut fiston! Ouais, les garçons, il faut pas rester au milieu comme ça. Eh ben putain, on a failli te croire. On a failli te croire. Hein? En voiture. Ah merci vraiment, merci. Salut Eric, bienvenue, merci d'avoir follow la chaîne, bienvenue à toi, tu peux aussi faire prendre l'exclamation YouTube et Discord. Pour c'est comment ton petit nom, Sion? Moi, c'est le Gitan. C'est le Gitan. Quoi, de transmettre? Ouais, Gitan. D'accord. Eh, vous les avez achetés où, les... C'est quoi? Lui, la barbe, vous l'avez acheté où pour faire pousser votre barbe? Acheter chez le coiffeur. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Ok, ok. Merci. Pourquoi tu veux la barbe? Ouais, moi je voulais me faire pousser de la barbe. Ah, bah moi je suis le coiffeur. Ah, ok. Ah, merci les mecs, merci. Allez, à plus. Bon, merci, à plus. T'as fermé la voiture quand tu es monté dedans? Hein? T'as dit quoi? T'as fermé la voiture quand il était dedans? Ouais, j'ai fermé la voiture. Ah, parce que bah, avec tout le matos qui est dedans. Hein. T'en fais pas. Moi j'ai même pas les clés. Moi. Aïe. Ah bah oui, merde. Ouais, du coup, on est d'accord que quand on aura joué chez Edouard avec la magistrature, etc., on pourra perquer la maison. J'ai pas compris. Quoi? Ah, je te dis. D'accord. Ah, je suis bon. D'accord. Oula, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Bonjour, c'est du braquage? Arrêtez de circuler, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Alors, je vais appeler la police, moi. Mais c'est la police. Ah, c'est la police. Ah, vous regardez, ça clignote de partout sur le véhicule. Bon, oh, là, monsieur, là. Arrêtez de. Vous n'allez pas partir en mode serpent. Bon, allez bien, frérot. Bon, messieurs, s'il vous plaît. Et pourquoi il fait le ver de terre, lui? Il fait ver de terre. Monsieur Ruel, porte Ruel. Mour. C'est lui qui est braqué? Non, ces messieurs ont écrasé quelqu'un sur la place de Kavala. Ah, normal.
ça va, garçon? Ben, on va voir si le monsieur va vous porter plainte. Très bien, circuler, s'il vous plaît. Allez, bouge, garçon. Bibi, tu prends leur véhicule et puis on va voir. Regarde déjà la plaque. Il est fermé leur véhicule. Il est fermé leur véhicule. Trouel, pas trouel. Bon, messieurs, s'il vous plaît. Déjà, vous êtes mal garé. Puis en plus, moi, c'est venir votre, ici pour tailler pierre pour construire le mur. Il y a de la pierre, il y en a jusque là-bas si vous voyez. Ah pas. Non, ça vraiment belle qualité, belle qualité. Messieurs, quel est le jeu? C'est Eric, c'est Arma 3. Altis Life France, en fait, c'est un serveur modé sous le jeu Arma 3. Ah, mon petit. En fait, c'est RP basé sur du RP. Et puis tu simplement. Viens me faire des bisous. Ah, bisous. Ah, fais-moi des bisous. Mon amour, j'ai perdu beaucoup de temps. Fais-moi des bisous, mon amour. Monsieur, est-ce que je peux répondre à mon collègue, s'il vous plaît? Quel collègue? C'est moi les clés du véhicule, s'il vous plaît. En fait, attends, c'est pas mon véhicule, t'as pas compris. J'ai pas les clés du véhicule, c'était le véhicule de mon copain. Monsieur, le véhicule est fermé. Alors maintenant, vous allez me passer les clés du véhicule. Ah, j'aimerais bien, mais pas c'est vous... pas mon véhicule, je vous l'ai dit. Monsieur, vous avez. Vous venez de fermer le véhicule, vous foutez de ma gueule. Vous êtes rentré dedans avec. Donc vous allez arrêter, sinon. Non, mais en fait, c'est le moment, je sais pas du choc. La voiture a été bloquée. Je vous ai donné les clés. Vous avez quand même. Vous avez extirpé par la fenêtre, mais bon. Moi, je pensais que voilà, avait... parce qu'en fait, je sais pas, même moi, je peux pas ouvrir la porte. Écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, monsieur. Tu vas montrer les clés dans la voiture. Mec, je n'ai même pas piqué. Mito, t'es pas qui. En plus, t'as écrasé notre collègue. Bon, vous allez vous calmer, merde. Voilà, c'est bon. Maintenant, vous avez le droit de garder le silence. Et c'est réglé. L'avocat, ça tombe bien, c'est moi. Et l'avocate, c'est celle que j'ai dans les mains. Donc, soit vous donnez les clés, soit je m'en occupe autrement. J'aimerais bien vous donner les clés, mais je les ai pas. C'est la voiture. Bon, bah la voiture va faire. Ah, franchement, je vous les ai donné les clés. Mais c'est qui Richard Pastel ici? C'est qui Richard Pastel? Il est pas là, c'est notre copain. Il est pas là. Ok, alors on va faire exploser la voiture, on va voir si ça vous fait plaisir. Ah, bon, si vous voulez, je vous donne ma carte d'identité. On va retourner place Cavalin, on va voir si le monsieur veut porter. Ils ont volé la voiture carrément. Oh, ils sont très forts quand même. Ils ont volé la bagnole, c'est ça? Ils ont volé. Confirmez qu'ils ont volé la bagnole à Cavalin? Bah, en fait, ils sont arrivés dedans les deux. Du coup, on va voir s'il y a monsieur Richard Pastel à la place de Cavalin. De ce que nous a dit le monsieur qui s'est fait voler le véhicule, il connaît pas ces individus. Enfin, après. Oui, non, mais moi, j'aurais juste besoin de... Ok, ça reste la même chose, mais est-ce que le véhicule a été volé à Cavalin? Affirmatif. Ok, d'accord. Ah, attends, Bibi, ça c'est pas sûr. Parce que pour moi, ils sont arrivés avec, ils étaient pas. Ils sont arrivés avec, mais quand j'ai demandé à l'individu qui s'est fait piquer son véhicule, il nous a dit qu'il se l'est fait voler. Hein. Oui, mais est-ce qu'il se l'est fait voler à Cavalin? Affirmatif ici sur la. Cobalide, CPAD. Transporté. Nous recherchons une Mercedes blanche aux alentours de Cavalin, si vous pouvez nous la trouver. De Syrah, c'est bon, ça a été chopé. Est-ce qu'il y a un Richard Pastel parmi vous? Elle est là, c'est elle. C'est bien pris de Cobalt. C'est quoi les raisons? Laisser une voiture voler. La blanche qui est devant nous, là? Non, pas celle-là. Celle qui est juste à côté. C'est là, ouais. Comment, Lead, c'est transmettez. Le véhicule blanc, on l'a flashé à 210 km/h. Ok, c'est la Mercedes coupée ou la Mercedes longue? C'est la Mercedes... celle qui est la plus proche de la... Donc c'est la voiture longue. Combien la vitesse? 210 km/h. Au lieu de? Au lieu de 130. Ensuite. Allez, vous traitez? Oui, mais on cherche le gars qui s'est fait voler en fait. Non, mais c'est celle-là. Celle-là. Ah, celle-là? Celle-là. Ah, bah tiens, regarde, il arrive en courant. Attendez. Demande s'il veut porter plainte ou pas. Bon. Monsieur, est-ce que vous voulez porter plainte contre les individus? On les a arrêtés qui avaient volé votre véhicule et qui vous ont renversé. Et alors là, oui.
Monsieur, j'ai une question. Est-ce que votre véhicule a été volé? Oui. Ouh. Mes yeux. Oui. Où? 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 Exactement ici, sur le parking en face. Ok, hein. D'accord. Vous saignez, monsieur. Ok, saignez, d'accord. Bibi, tu me prends les noms? Ok. Je ouais. Pas, mais... On prend les noms des individus, on va voir ça. Merci beaucoup. Où vous saignez, beaucoup. Normal. C'était pour faire une blague à mon collègue Richard. C'est des filles en civil là ou quoi? Richard était devant la voiture et boum. Il est à ton gilet. Sur le coup. Bon, j'ai pas mort, mais aussi là, et même la voiture n'a pas reçu de dégâts? Écoutez, la voiture s'est pris le mur qui est là-bas, mais si en fait elle a heurté une barrière, l'a cassée et du coup la partie avant est un peu abîmée. Ah oui, je vois ça, je vois ça. Ils ont cassé la barrière. Eh hey, fiston. Eh hey, fiston. Oui. Oui, oui. C'est qui on est? C'est comme ça qu'on non a pu les arrêter. C'est qui on est? Quoi? Tu sais qui on est? Ils sont où? La police. Voilà, alors tu vas m'expliquer à combien c'est limité sur la grande route principale. Réponse, ah, ah, ah. Alors, explique-moi. Combien est limité? Ah, partout, partout. Partout ouais, parce que j'ai un hélicoptère, il t'a pris à la radar. Allez, vas-y, il t'a pris au jumet. Ouais, il t'a pris au jumet. Allez, vas-y, ah, c'est limité à combien? Mais sur laquelle? Sur en ville, bah, 50 sur... Non, après. 70. Après. 30. Ok. Et à combien t'as été pris, toi? Ah, avec cette voiture, on voit pas trop la vitesse, quoi. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'il y a un compteur, 150. En fait. Plus. 160. Plus. 170. Plus. Plus. Ah ouais. 180. Plus. Plus encore. Ah ouais, plus encore. Et où ça? 250. Moins. C'est 150. Bon bah direction Pékin, la victime va porter plainte. 150. Moins. 130. Moins. 120. Moins. 100. Plus. 110. Bravo, c'est le juste prix. Ouais, bravo, bravo, bravo. Franchement, félicitations. Et vous avez gagné le droit de présenter la carte d'identité à mon collègue afin de procéder au premier prix du jeu gagnant qui est de... Tu m'as dit combien, il a fait combien d'excès? 210, 210 sur 130, ça fait 210 sur 130, ça fait combien? Ça fait 80 au-dessus! Oh, mesdames et messieurs. Oh, bien. Yes. Vous gagnez un truc de 20 000. 20 000? Oh, 20 000. Oh, 20 000. Oh, oh là là, bière pour votre véhicule. Oh, magnifique! Ouais! C'est génial, dis donc. Quel jeu gagnant! Quel jeu gagnant! Et là, quel jeu gagnant! Moi, j'adore les jeux gagnants. Allo Martine? Ouais! Devine qui c'est? Non, tu vas pas me croire. Bah si, c'est bien moi. Comment ça va ou quoi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Dis, j'ai chopé un mec aux jumelles dans un hélicoptère à 210 km au lieu de 100. Tu vas jamais me croire. T'as vu ma carte d'identité? On a commencé à jouer au juste prix et tout ça là. Et d'un coup, le mec il m'annonce des vitesses, mais jamais les bonnes. Donc je fais jouer, tu vois. Je dis plus ou moins. Et à un moment donné, il dit plus. Je lui dis moins. Pas plus, et après moins. Et après, il trouve le juste prix. Et tu sais ce qu'il a gagné? Mais il a le droit de ramener la voiture chez toi. Exactement. Tu viens la chercher ou je te la dépose? Allez, je te la dépose. Bisous, ma coquette. Allez, ouais. Bisous à Julien. Ciao, ciao. Ah. Allez, clé du véhicule, monsieur. Monsieur. Allez, les clés. Oui, oui, oui. Attends, je vous le donne. Voici. Bravo. C'était magnifique. Ah, excuse-moi, j'ai un bras qui est ouvert. Ah bah tu m'étonnes que tu roules la 210 avec ça. Ouais. Bah allez, à bientôt. T'as la vista. Bientôt, enfin j'espère. Et paye-moi un coup, hein, l'occasion. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais quoi, toi? T'as craqué ou quoi? Comment t'as réussi à m'écraser? Mais franchement, je sais pas. J'aime en fourrier ou quoi? Ouais, je fais ça, je fais ça. Bibi, en qui est en face sur vous? Ah,
rapide. Ah mais vous, il n'y a aucun chef d'accusation contre vous. Le problème c'est qu'il faut prendre très bien pour aller à la BR, à l'aéroport. Ah bah si, il peut porter plainte si si, tu peux prendre sa déposition, non? Bah oui. Moi je vais occuper de l'autre, du coup si tu peux t'en occuper, vas-y. Ouais. Alors, c'est pour. En fait, c'est pour porter plainte contre Richard. Bonne chance, Nick Nick. D'accord, d'accord, Richard Pastel, ok, je vais m'en occuper, vous en faites pas. Votre nom? Aurélien Saud. Ok, c'est réglé. Normalement, vous avez bien reçu. Ah oui, je sais, j'ai compris l'histoire, c'est bon monsieur, votre plainte a été prise. Donc, votre véhicule a été volé, c'est une Mercedes blanche, c'est ça, celle-là. Bon ben voilà les petits loulous, le rendez-vous du soir, 20h minuit, Altis Live est terminé. Merci à tous d'avoir été très nombreux ce soir, désolé pour la petite partie un peu chiante sur la procédure pénale de la déposition du général de la sécurité civile, mais à un moment donné, quand il y a 40 personnes à la BAYA, ben, faut filer un petit coup de main, et la paperasse c'est un peu long dans le jeu. Donc voilà, bon allez, je voulais, comme d'habitude, merci Flo, merci Johnson, merci Aqua du stream, merci Stevers. Pour le resub de 3 mois consécutifs, merci Seblos, merci Jim Kafox, merci Trunks de resub, merci Carnabis, merci Twitch Boutiques, merci Gunt et merci Eric93. Merci à vous, bienvenue dans la communauté. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, point d'interrogation Discord, pour avoir les notifications de la mise en ligne des vidéos sur YouTube et le lancement des lives sur Twitch. N'hésitez pas également à mettre des petits messages dans la famille pour jouer avec les autres followers, abonnés ou donateurs sur des autres jeux comme R6 et Apex. Voilà, tout est dit. Merci aux donats, merci aux abonnés, merci à vous les followers, merci d'être présents chaque soir. Et écoutez, prenez soin de vous. À demain, 20h minuit, comme d'habitude. Bonne soirée, bonne nuit. Prenez soin de vous. Adieu les modérateurs. Allez, bonne nuit. Ciao. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfield TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.